Maiso, pourquoi est-ce que tu aimes regarder comme ça à l'extérieur en pleine nuit? C'était un problème purement spirituel qui travaille au-delà de minuit. Hé! C'est quoi tout ça? Une petite fille comme toi, tu n'as jamais eu peur. Hein? Ce village est rempli de la sorcellerie. Oui, il y a juste quelques personnes qui connaissent à propos. Arrête-nous ces histoires. Pourquoi tu aimes te comporter de façon étrange? Ça ne me plaît pas du tout. Que ce soit, écoute, que ce soit ta dernière fois, il ne faut plus recommencer. Ne dérange plus notre sommeil. Quel est ton problème au juste? Tu vois si tu vois ça. Quand est-ce que tu vas cesser de voir? Pardon, laisse-nous dormir. Oh. Ma soeur, laisse-moi, non? Est-ce que je t'ai offensée? Qu'est-ce qu'il y a, non? Laisse-la respirer. Tu sais qu'elle est toujours comme ça. Tu devais t'habituer à sa façon, non? S'il vous plaît, revenez. N'interromps plus notre sommeil. Allonge-toi. Oh, yeah. Allez, dors. J'ai dit de dormir, hein? Je ne porterai pas cette croix. C'est une abomination, c'est impossible. Même si ma fille est une prostituée, c'est l'enfant de quelqu'un qu'elle porte. Et cette personne doit assumer ses responsabilités. Le moment où je finis avec ce garçon et son père stupide, et ils sauront de quel bois je me chauffe. Ujoji. Ujoji, ouvre ce portail. Je sais bien que tu es dedans. Sors. Ujoji. Sors. Donc c'est toi qui cries devant mon portail comme ça. Je suis là pour te prévenir pour la dernière fois. Ramène ton fils fugitif là. Qu'il vienne épouser ma fille qu'il a engrossée. S'il ne revient pas pour assumer sa responsabilité ou bien tu l'assumes à sa place, je ferai quelque chose que vous n'allez pas aimer. Tu n'aurais pas assumé la responsabilité d'une autre personne. Un homme averti en vos deux. As-tu vraiment dit ça? Tu me fais marrer, Jambiké. Écoute, il a été prouvé que ta fille qui est au point de mettre au monde là n'a pas été en mesure de révéler l'identité du responsable de la grossesse. Elle a parlé de quatre garçons. Et parmi les quatre, mon fils semble être le seul venant d'une famille riche. Et tu penses que ça te donne le droit de venir ici? Ne sois pas imbécile. La vérité est qu'il l'a fait. Viens le régler avec moi, sinon tu vas le regretter. Écoute, je peux tout tolérer, mais pas de menaces directes. Juste devant ma parcelle, de la part d'un étranger. Que veux-tu faire? Écoute, si tu ne déguerpis pas d'ici, je vais libérer mes chiens pour toi maintenant. Jamika, si tu sais que tu ne veux pas être enterré dans cette parcelle, alors va-t'en. Je dis va-t'en. El Mukita, Milou, Milou. Milou, allez. Tu me harcèles parce que tu es un policier retraité. Toi, on verra bien. Je vais te montrer. Udoji, je vais te montrer qui je suis dans ce village. Tu me verras bien. Voilà cet idiot qui veut mourir inutilement. N'importe quoi. Espèce d'idiot. Moi? Ah, on verra bien. L'inimaginable arrivera. Ce à quoi personne n'a jamais pensé est-ce qu'il arrivera. Dans ce village, moi, Jamike, obtiens tout ce que je veux. Je suis seulement désolé pour celui-là qui se présentera comme un obstacle à Jamike. Ujoji, Ujoji, tu es mon obstacle.
Anne wo bore wa. Anne wo bore wa. Ujoji, anne wo bore wa. On verra. Tiens, va m'appeler père. Bien sûr que je le fais, mon fils. Je suis sûr que tu connais très bien Oloma. Mère, je t'en prie, ne débute pas la journée avec ça. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas prêt pour me marier. Quand je suis prêt, tu le sauras. Nul n'est en train de dire que tu dois l'épouser immédiatement. Mais tu devras la côtoyer, tu la trouveras convenable. Qu'il en soit ainsi. Écoute, mon fils. Elle provient d'une famille très respectueuse de ce royaume. Tu le connais. Elle a été bien élevée. Et elle a toutes les bonnes qualités d'une future reine. Non, je pars en ville demain matin, donc il n'y a pas de temps pour étudier qui que ce soit. Désolée. Elle va aller avec toi à la cité. J'avais déjà tout arrangé avec ses parents. Quoi? Oui. Père, je ne suis pas intéressé à avoir une compagne de vie avec moi. Je vous en prie. Oloma, qu'est-ce que tu penses par rapport à ceci? Parle! Je suis dans l'obligation d'obéir à tout ce que Sa Majesté décide. Bien. Elle vient de se disqualifier elle-même à gagner mon intérêt. C'est un ordre. La fille vient avec toi. Mon fils, t'inquiète. Hein? Tu vas l'apprécier. Je t'assure. Pendant combien de temps ta mère doit patienter pour revoir son fils? Mère, tu parles comme si je ne reviens pas régulièrement à la maison. Oh oui! C'est pas question de régulièrement, mais tu vas beaucoup me manquer. Mère, tu comprends comment gérer les affaires familiales en ville me prend assez de temps? Je sais, mais... Mère, je pensais que toi et le père avaient changé d'avis au sujet de ceci. Sois calme. Sois calme, d'accord? Hein? Moi et ton père devons nous inquiéter pour toi. Mes excuses, ma reine. Mes excuses, mon prince. J'ignorais que nous devrions partir aussi tôt. D'accord, c'est bon, c'est bon. J'avais déjà ordonné au chauffeur de venir te récupérer. Mais Dieu merci que tu es déjà là. Mère, je rejette fermement cette idée. Oh, mon fils, t'inquiète, ça va aller. Rassure-toi de ne pas rentrer à pied. Trouve-toi une bicyclette. Merci maman, que Dieu te bénisse. Bonne route. Bye. Rentre directement à la maison. Ok.
Fais vite. Mets tout ça directement dans le panier. Laisse-moi aller vérifier si cet enfant a fini ses travaux. Je n'arrive même pas à les porter. Laisse-moi te dire. Toi, tu amènes ça à la maison. Moi, je vais venir avec une autre. Je vais aller prendre ce qu'il y a là-bas. Moi, aide-moi à mettre ça à la tête. J'ai déjà faim. Ma petite chère m'attend pour qu'on puisse manger. S'il te plaît, maman. Maman, ce qu'il y a. Maman, n'a pas beaucoup été au moins. Et qui es-tu? Simbiriki. Maman, ne traîne pas, hein. Vas-y. Je te rejoins à la maison. Salut, ici, vous n'avez pas voulu me répondre, non? As-tu perdu la tête? Ou quelque chose ne va pas bien dans ta tête? Qui es-tu de me dire si je dois répondre à ta salutation ou pas? Oncle, désolé, hein, Biko Wenoué, hein? Peut-être que j'ai fait une erreur. Et où est-ce que tu penses que tu vas avec ces noix de palme que tu portes? Et où est-ce que tu les as trouvées? Oncle, c'est pour nous, hein? C'est pour nous, nous l'avons pris dans notre propre champ. Et qui vous a dit que ce terrain a, en Fiazo, non, vous appartient? Oncle, cette question appartient à mon père. Je ne suis pas qualifié à répondre à cette question. Je ne poserai aucune question à ton père. En fait, j'aurais dû faire ce que j'aurais dû faire. Ce n'est pas juste, non, oncle. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, non, pour que tu me fasses ça? Tu sais que si mon père attend ça, il ne sera pas content. Il ne sera pas content de toi. Tu m'en fiches de savoir si ton père sera content. Ce n'est pas juste. En fait, tu ferais mieux de partir maintenant. Avant que je n'appelle les garçons pour toi. Laisse-la. Laisse-moi. Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre nous ne sont pas contents de vous? Depuis que vous êtes de retour de la ville, vous les privez de toutes les ressources économiques. Voici les choses qu'ils vendent avant d'avoir l'argent de poche. Maintenant, disparais-toi d'ici. Dégage. Otondo. Otondo. Allez. Allez, j'arrive. Qui est-ce qui te gêne là-bas? Est-ce qu'ils oublient que je suis à la maison? J'y arrive. Avec un gros fer, je vais te briser la tête complètement. Tu es malade. Qui est ici dérangeant ma père? Tu n'as pas peur, je vais te briser la tête. Père, hey, il est où? Il est où? Ça. Un palais, tu me connais, mais je fume même avec mon nez. Tu vois donc, tu me connais bien. Attends. Ah. C'est pas encore arrivé à ce point. Hein? Le vrai problème est en chemin. Ah, c'est pourquoi je dois faire le réchauffement, je dois me sécher bien parler. Parce que c'est juste un coup. Garde ton énergie pour la personne, elle ne sera plus. Ezorube, maintenant que tu as perdu ta hache, je crois que ça ne t'empêchera pas de venir à temps pour que nous puissions finir notre travail. Maman Ndoka, tu sais que je suis professionnel. C'est ce que je fais dans ce village. Ne t'inquiète pas, je serai là à temps. Rassure-toi juste de sortir avant moi. Tu sais, lorsque je vais commencer, quelqu'un doit être là pour le faire. Ça ne sera pas un problème. Mais n'oublie pas, il faut aussi bien me payer. Oh. Ça, ce n'est pas un problème. Je t'ai dit. Oh. Nous devrions être vénitiens. Doucement. Le vrai problème, notre vrai ennemi, elle est en route. Elle arrive. Ah, Palais! Ça, c'est petite affaire, non? Ça, tu veux me décevoir comme ça, Palais? Ça, c'est petit pour moi, non? Toi, mais tu peux gérer ceci, non? C'est pas moi qui dois t'aider à gérer cette affaire, non? Laisse pas la femme de moi, c'est pour l'idée. Elle est une femme, celle qui sera la cause de la mort de son mari dans cette famille. D'accord? Palais, tu veux gérer ceci, non? Ah, Palais, tu me connais très bien, non? Pourquoi
tu parles comme si tu as peur d'elle. Viens parler. Parler. Écoute, ne me surte pas, sinon je vais changer de... Ne te fâche pas, c'est juste un lapsus. Tu sais que c'est mon semblable, un seul coup suffit pour le faire partir. Je sais, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Hein? Tu sais, nous devrons nous unir pour cette bataille. Nous devrons, en fait, voici les gens qui disent que tu n'es rien. Ah! Tu ne dois pas laisser cette femme nous dépasser ici et sans rien. Mais là, il n'y a pas de problème là-bas, non. Tu lui retires ces noix de palme, hein? Tu rentres avec, hein? On va les vendre pour avoir un peu d'argent. Ah, Palais, l'affaire est close. Palais, l'affaire est close. J'ai jamais essayé bien maintenant. Qui tu sais? Où est-ce que tu vas? Hein? On dit quoi? Allez, on dit quoi? Tu ne sais pas qui est ton père? Je suis sûr que tu connais ton père. Est-ce que j'ai l'air de cet homme qui t'a mis au monde? Hein? Et où penses-tu que tu vas avec ces noix de palme sur ta tête? Venant d'un chien qui appartient à la famille en général. Non, ça veut dire que notre champ général, c'est dans notre propre champ que j'ai ces noix de palme. Ogini. Maintenant, je suis un idiot et je ne sais pas de quoi je parle, n'est-ce pas? Je sais ce que je vais faire. Donc, vous pensez que toute cette terre sont là, sans contrôle. Les gens ont pris soin d'elles afin qu'elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Au moment où vous êtes en ville, en gaspillant votre temps pour jouer des petits blancs. Nous étions ici en prenant soin d'elles. Et voilà, vous êtes de retour subitement pour les confisquer. Ah, tu ne rentres pas avec ces noix de palme, hein? Biko, je n'ai pas d'énergie pour ces troubles que tu me cherches. Biko, n'anime ma kamouté. Femme, tu n'as pas peur. Et tu échanges des mots avec mon père, n'est-ce pas? Écoute, tu es en train de provoquer une grande querelle ici comme ça. Il y a quoi? Arada. Moi? Allez, quand ça commence, ne m'arrêtez pas, hein? Ça, c'est la femme là. La femme l'avait osé. Hein? Il y a quoi? Je vais tuer quelqu'un ici. Hein? Il y a quoi? Hein? Mais pourquoi est-ce que c'est fort? Cela, ça me fait rire. Votre manière de trouver que toutes les choses sont difficiles, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Il te faut beaucoup de pratique et ça sera plus simple. Ah, Aurélie, pourquoi cette tête? Que s'est-il passé? Hey! Y a quoi? C'est toujours comme un loup. Hein? Oh, comment nous l'a saisi? Disons que nous n'avons pas le droit d'aller chercher des noix de palme dans ces champs sans sa permission. Quoi? Mba! Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Hein? Oh, comment a fait quoi? Oh, comment elle a intérêt de se réserver dans ce village? Il a intérêt de... Ne fais pas ça, reviens. Laisse-moi tranquille. Pardon, laisse-moi tranquille. Ne fais pas ça, hein. Moi, Nézé. Moi, non, moi. Non, je ne te prie. Ne dis pas ça, ma sœur. Nous devons confronter un homme méchant. Parce qu'il va toujours défendre les mauvaises actions. Oh! Je sais. Mais je ne veux pas que tu ailles déchaîner un chien à cause de la folie de son fils. Si, il veut sortir sa folie. Bien, je vais lui montrer qu'il y a des folles enragées et moi j'en fais partie d'eux. Il va voir. Ne fais pas ça, pardon. Biko. Biko. Arrête. Nayumao, hein? Est-ce que tu nous connais pas? Hein? En ce que je sache, le problème n'est pas qui nourrissait l'arbre ou qui avait planté l'arbre. La terre doit être partagée par les membres de la famille. Tout ce qui se trouve sur la portion de terre de X appartient à X. Imagine. Laisse cette femme tranquille. Zeribé, qui t'a demandé de venir jouer le rôle de juge dans une affaire concernant la famille Ouama? Qui t'a appelé de venir trancher? Qui t'a appelé? Hein? Je sais juste nous sommes capables de régler nos affaires nous-mêmes. Écoute, hein, comme il veut s'ingérer dans l'affaire d'autrui, l'affaire qui ne le concerne pas, alors je vais lui montrer qui je suis. Je vais lui montrer que je ne suis pas quelqu'un avec qui on blague. Tu es malade, c'est Dieu qui va punir tes parents. Et tu as... Il faut arrêter ce jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Où penses-tu aller? Où penses-tu aller? Où penses-tu aller? Laisse-moi aller. Attends, non. Où est-ce que tu penses que tu vas? Viens régler notre affaire. Je vais te montrer que je ne suis pas facile. Laisse-moi partir. Où penses-tu aller? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hé, ma mère. Attends, c'est toi qui es venu. Maman. 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 Maman
Allez, viens là, C'est avec moi que tu veux blaguer? Je te montre. Répète encore. Je vais vous montrer dans ce village. Personne ne peut blaguer avec moi dans ce village. Des bêtises. Idiot. Tiens, laisse-moi. Il recommence. Il vient encore. Qui s'en prend encore à toi? Qui que ce soit de la famille, ils vont voir ce qui va se passer. Non, de personne. Des bêtises. Ils vont venir me trouver. Ça est partant. Vraiment. C'est comme si la fille n'est pas un être humain. Oh. Ah! Vraiment, j'ai déçu mon père. Papa, bonjour à toi. Oh. Salut, fiston. Otom. Veux-tu donc te livrer à la mort? Enfin, ne me cite pas. Raphaël, je suis confus, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Regarde. Regarde ma tête, regarde ce que la fille m'a fait. Regarde cette fille. Hey. Oli a osé me faire. Elle a pris un grand marteau et a cogné ma tête avec un gars. Oh, écoute-moi, je ne vais pas accepter ceci. Je vais me venger. Hey! Otondo. Tu devrais vraiment avoir honte de toi. Ça veut dire, oui, tu sais pourquoi. Numéro un, tu es censé changer d'abord ton nom là, Otondo. Change-le pour avoir un autre nom, je ne sais quoi. Ça ne te convient pas. C'est moi qui te dis. Oui. Numéro 2. Tu as perdu tes sens sur tous les plans pour avoir fait ce que tu viens de faire. Que Dieu te pardonne. Isi dit ça. Quand les premiers 3 hommes n'arrivent pas, toi tu as sauté sans armes. Alors voilà pourquoi je dis que tu es complètement fou. C'est ça. Tu as tout faux, n'est-ce pas? Bien. Numéro 3. Tu as ouvert ta sale bouche pour me dire que Isi Disso, une femme ordinaire, t'a tapé jusqu'à te blesser à la tête. Mon cher, en tout cas, tu as perdu la tête. Tu es fou. Tu sais ce que j'attends quand de quoi tu parles? Ton hymne national. J'attendais que tu arrives au numéro 4. Et là, je vais te montrer qui je suis. Il y a quoi? Donc, Palais, tu attends là-bas et tu me regardes comme ça, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas me dire désolé pour ce qui est arrivé. J'essaie de protéger ton intérêt et tu es en train de passer. N'est-ce pas? Tu as vu ce que la fille là-bas a fait et tu n'as rien fait. Hein? Tu la fermes là-bas, femme. Tu n'es qu'une femme, toi. Donc vous m'appelez femme, Palais. S'il y a un autre adjectif qui te décrira mieux qu'une femme, c'est ce que tu es. Je comptais sur toi pour protéger mon intégrité. Avec tous tes titres de propagande venant d'écho. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Une simple fille t'a roulé par terre et t'a donné 2 cornes. Honte! Voilà, laisse-moi te dire. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de créer la brèche sur tes frontières. Hein. Les ennemis vont pénétrer ton pays comme ça à cause de la brèche. Tu m'écoutes? Les ennemis vont entrer dans ton pays. Laisse-moi te dire, Palais, tu ouvres la voie pour que... Je t'en prie, assis-toi avec tes blessures comme ça, tu risques de tomber, idiot. Regarde, mec, regarde. Laisse-moi te dire une chose, hein. Hey, ils ont de la chance qui remercient leur étoile. J'allais en finir avec eux aujourd'hui, hein. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer? Ils voient qu'on ait peur d'eux? Qu'on ait peur d'eux? Imaginez-vous. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Non mais t'imagines, oh, hein? L'oncle Omalo, avec son fils, son enfant, cet idiot, ce bon à rien! Ah, ils ont agressé maman pendant qu'elle était au champ avec... Comment et... t'as fait ici? Maman? Jésus! Assez, il est temps! Hé, hey, maman, laisse-le! Laisse-le! Maman, laisse mon père! Biko, mon fils, laisse maman, tomber! Je ne vais plus le laisser tranquille! Je ne peux plus continuer de croiser mes bras en regardant ces gens s'agresser cette famille. Je ne peux plus accepter ça, maman.
Maman, laisse-moi, je ne peux plus, maman. Laisse-moi aller enseigner ces bonnes à rien. Quelques leçons. Ces ingrats, maman. S'il te plaît, mon fils, laisse tomber. Maman, as-tu oublié? As-tu oublié, maman? Je me rappelle comment papa aidait ces gens. Papa a contribué à la construction de la maison dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Il a aussi contribué à l'éducation de leur famille, à l'éducation de leurs enfants, maman. Oh, mais maman, laisse-la partir. Laisse-la partir, qu'il parte. Oh, maman, laisse. Maman, j'ai été aussi témoin de l'argent que papa a compté à donner à son frère. Hein? J'ai été témoin, maman. Je me rappelle aussi de quand tu te plaignais énormément, maman. Comment papa supportait ses frères? Comment papa soutenait ses frères à notre détriment, maman? Je me rappelle de tout. Maintenant, papa est de retour au village. Ils ne peuvent même pas le soutenir après sa retraite, maman. S'il te plaît, je te prie pardon. Laisse Okidja mourir dans sa stupidité. Deux fois, ne feront que de bêtises. Maman, laisse-le partir. Assez, c'est assez. Il faut maintenant que l'on trace une ligne. Qui dépasse cette ligne, il va s'en prendre à lui-même, il va voir. Osuka. Oh non, maman. Osuka. Oh non, maman. Maman, écoute. Pourquoi mes oncles ne peuvent pas accorder un peu de respect à papa? Laisse-moi. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire ça? L'œil de cette famille? Pourquoi ne peuvent-ils pas respecter un peu papa? Maman, laisse-moi faire. C'est ça, maman. Maman, laisse-moi. Maman, laisse-moi. Laisse-moi. Vas-y, c'est bon. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe sur mon terrain? Qu'est-ce qui se passe sur mon terrain? Nous oiseaux. Donc, après mon humble requête à toi de me laisser ce terrain, tu as toujours le courage. Tu as eu l'audace. Tu as eu le courage de venir sur ce terrain et travailler là-dessus. Oga, cette terre appartient à mon défunt père. Et tel que tu peux le constater, je suis en train d'y construire ma propriété. Je suis un gentleman, un citoyen loyal, un homme très loyal qui ne peut pas construire dans un terrain qui ne lui appartient pas. Estime-toi chanceux. Je dis estime-toi chanceux que je t'ai même payé pour ce terrain. Je ne me souviens même pas avoir mis ce terrain en vente. Et tel que tu peux le voir, j'y construis déjà. Koudjouad, ne laisse pas ton statut d'officier de police retraité te tromper. Pensant que tu peux t'approprier tous nos biens dans ce village et t'en aller. Ne pense pas que tu peux jouer avec Mazi Ouga, comme toi et ton fils fictif jouer avec moi et ma fille et puis t'en aller. Djamike, ou peu importe ton nom, tu peux lire mon nez ou ma bouche. Mon fils n'est pas un fouillard et n'ose jamais les lier avec ta fouillarde de fille là qui veut mettre au monde. Ok? Et pour ton information, Mazioga, surtout ne prends pas ma gentillesse comme étant un point de faiblesse. Ok? Et si tu oses me menacer en ce qui concerne cette propriété qui est la mienne, je vais te tuer et livrer ta chair et même tes os au vautour, car mes chiens n'oseront pas goûter à ça. Iuruku, est-ce que c'est Mazioga que tu menaces de mort? C'est triste que tu aies eu l'audace de défier les dieux après avoir failli à ta promesse. Chifodoji, je sais que c'est ce jouet appelé fusil que tu as dans ta maison qui te donne cette confiance. Mais je t'assure, tu le verras fondre dans ta main comme beurre de karité. Je te le promets. Pardon. Partons d'ici. Partons. Tu plaisantes. On se verra. On verra alors. On verra celui qui est le plus puissant dans ce village. T'occupe pas d'eux. N'importe quoi. Oh mon Dieu! Voilà, je vous salue, je vous salue. Donc c'est ce que la fille là t'a fait. Toi aussi tu vois, non? Tu vois maintenant ce qui s'est passé, non? Et tu vois maintenant, tu sens la même douleur avec moi. C'est mon père ici que j'ai respecté, oh. C'est pas les que j'ai respecté, oh. C'est son intérêt que je protégeais. Et les filles là ont pris dessus, mais ils n'ont rien fait. Hey, tu la fermes, ta bouche là. T'ai-je arrêté?
Hein? Ah. Va chez elle et coupe sa tête. Ramène-moi ça, je vais l'accrocher dans ma chambre à coucher. Un idiot stupide. Tout ce que tu sais faire, c'est d'aller dans une grande ville. Et aller porter un vilain nom. Otondo. Et revenir ici. Fume le marijuana comme la fumée de la locomotive d'un train. Et en menaçant d'en finir avec tous tes ennemis potentiels. Mais quand le mois est venu, une petite fille, une simple fille, t'a fait porter du corps. Va-t'en d'ici. Parle comme avant tu parles comme ça, que je m'asseye ici, on discutait ou quoi? Dégage-toi d'ici et va là-bas. Ah, tu veux que j'aille me battre avec eux, n'est-ce pas? Que j'aille me battre avec eux, pas de problème. Si je vais maintenant et qu'ils me tuent, sache que tu as perdu ton fils comme ça. Ou si je meurs, sache que tu n'as plus rien dans ce monde. Tu veux que j'aille me battre avec eux, pas de problème. Laisse le pauvre garçon. Tu vois la fille là. Elle n'est pas supposée être une femme. Alors, va lui couper ses seins. Elle n'est pas femme. Alors, va lui couper ses seins. Laisse-moi te dire. Un bon à rien de fils est un bon à rien. Ok. Essayons d'oublier la fille là et Otondo. Et parlons de quelque chose de très important. Maintenant, écoute. Tu sais que je suis ton grand frère. Hein? Et tu sais comment nous gérions cette terre. Avant que notre frère Egbedike est de retour. Toutes les plantes qui nous donnent un peu d'argent. Mais depuis qu'il est de retour, il a occupé la meilleure partie des terres. Toutes ces plantes qui nous donnent un peu d'argent sont allées à lui. Hein? Il nous a privé de tout, même le peu d'argent que nous gagnons. En vendant les fruits de ces plantes, on ne le trouve plus. Hein? On doit lui parler. Il doit nous laisser certaines de ces plantes, afin qu'il ne soit pas le seul à les exploiter. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas mener seul ce pas. Tu sais que je peux le faire seul. Tu sais. Hein? Mais je vais juste savoir. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Si tu n'étais pas mon grand frère, j'allais dire que tu n'as pas de sens et tu es stupide. Comment peux-tu me poser une telle question? Imagine. Quand nous deux saignons de la plaie que nos ennemis nous ont causée. Pardon, montre-moi la voie. Donc tu es prêt? Ok. Voici ce que nous allons faire. Où sont les servantes? Je les ai renvoyées. Elles n'ont plus d'importance maintenant que je suis à tes côtés. Tu as fait quoi?
Tu me dis que tu as renvoyé mes servantes sans avoir la courtoisie de me consulter d'abord? Désolée, mon prince, mais je ne voyais pas la raison pour laquelle on devrait garder des personnes qui, au fait, ne font rien du tout pour des tâches que je peux accomplir toute seule. Et en plus, il n'y a même pas beaucoup de travail dans cette maison. Je ne sais rien de ça, mais je ne t'ai pas demandé de te transformer en mon esclave domestique. Papa, tu dois défendre ce qui te revient des droits. Sinon, on risque de tout perdre. Papa, tu ne dois rien à personne. Tous les biens que tu as aujourd'hui, tu as travaillé pour les avoir. Tu les mérites. Est-ce que le propriétaire d'une terre peut aller demander la permission avant d'utiliser sa propre terre? Papa, tu sais que cela n'est pas possible. C'est inacceptable par toi et moi, tu le sais bien. Calme-toi, mon fils. La retraite a changé la façon de voir les choses pour nous tous ici. J'ai cru que j'avais des frères à qui je pouvais faire confiance à n'importe quel moment. Par contre, je vois des gens qui planifient ma mort juste à cause des petites choses comme les arbres, qui d'ailleurs n'ont pas pu leur permettre de construire une maison ou d'envoyer leurs enfants à l'école pendant tous ces temps. Bien, je n'irai pas me plaindre. Mais, lorsque mon chien mordra son chien, qu'il vienne se plaindre s'il n'a pas honte du tout. Calme-toi. C'est bon, papa, je t'ai entendu. Bonne nuit, papa. Papa, ce village est vraiment rempli de beaucoup de sorciers. Meso, ne recommence pas avec tes problèmes spirituels. Papa, ce n'est pas ça. J'ai vu et j'ai entendu des choses. Tu imagines beaucoup, ma fille. Crois-moi, papa. Ok. Comme tu ne me crois pas, alors prochainement, je viendrai te prendre pour que tu voies de tes propres yeux. Mais So, tu n'as aucun intérêt de rester éveillé la nuit. Tu dois rester dans ton lit. Et le sommeil viendra. Tu dois dormir. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Mais ce... Je ne suis pas seulement surpris parce que vous êtes mes frères. Mais je suis complètement déçu par vous. Je n'ai jamais su que vous deux étiez vraiment des ingrats. Hé, hey, Bouboudike, contrôle ta langue. Tu ne nous nourris pas, ni nos familles respectives. Hein? Dis ce que tu as dit sans nous insulter. Sinon, tu cherches des problèmes. Et quel est ce problème-là que je suis en train de chercher? Non, dis-moi, quel est ce problème-là que je suis en train de chercher? Ah non, laisse-moi! Trop, c'est trop! Laisse-moi leur dire la vérité! Stupide idiot! Je suis l'aîné de la famille! Et j'utiliserai n'importe quel mot que je préfère utiliser! Je vous ai personnellement pris en charge. Financièrement, j'ai dit, pendant que je travaillais encore. Maintenant que je suis à la maison, suite à ma retraite, que me donnez-vous en retour? Si ce n'est que la méchanceté et la jalousie. C'est tout! Oui. Lorsqu'on était en train de partager les terres, vous deux aviez insisté pour qu'on partage les terres selon nos traditions et cultures. Mais moi, j'avais insisté sur un partage égal. N'est-ce pas? J'ai même cédé une portion de ma terre à vous deux. Chufuke Ebube, tu étais témoin. Exact. Maintenant,
Ai-je déjà empêché l'un de vous de cultiver sur ma terre? Répondez-moi. Pourquoi maintenant je ne peux plus utiliser ma propre terre pendant que vous avez utilisé les vôtres sans interférence? Hein? Franchement, c'est quoi ça? Hein? Seulement pendant 2 jours que j'ai voyagé. Vous voulez tuer ma femme et mon fils? Pourquoi? Comment est-ce que toi tu as le grand et meilleur nombre d'arbres productifs sur ton terrain? Comment? Lorsqu'on partageait les terres, on les prenait l'une après l'autre. Et tout le monde avait choisi librement pour éviter la tricherie. Pendant que vous choisissiez les vôtres, étiez-vous aveugle? Nous étions évidemment aveuglés. Après tout, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut faire un appel. Il peut faire un appel. C'est pourquoi il y a la cour d'appel. Seulement un repartage de ces terres sera la solution. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes chers frères. Je ne peux jamais, jamais accepter cette demande. Mais si je peux demander, Omalo Anyamike, est-ce la raison pour laquelle vous nous avez appelé ici? Demande-leur! Et vous m'avez dit qu'il ne vous a jamais offensé. Vous avez toujours gardé de bons liens fraternels avec lui. Ou n'est-il plus votre Odoba? Qu'a-t-il pris qui n'est pas de son droit? Si vous insistez sur le repartage de ces terres, il y a un processus. J'aimerais que vous suiviez le processus. Ceci étant donc dit, je dois partir. Laissez-moi vous rappeler qu'il a le droit de réclamer tout ce que vous avez gagné sur la partie de la terre qu'il vous avait remise. C'est tout ce que tu as pu dire? C'est la vérité. Ok, d'accord. C'est la vérité. Les étoiles commencent à rassembler leurs forces. Ce phénomène annonce que toutes les choses obscures vont commencer à se manifester. Tu dois voir ça là-bas. C'est produit dans deux heures. Mais ça suffit maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est quoi cette histoire juste? C'est quoi ça? Mais tu ne dois pas prendre au plaisir à admirer ces œuvres maléfiques. Arrête avec ça. Juste le fond. Arrête. Arrête. Allonge-toi maintenant. Dors maintenant. Ferme tes yeux. Dors. Mes enfants.
C'est quel genre de cauchemar ça? Dois-je dire que c'est un simple rêve ou bien c'est quoi? Ça, c'est quel genre de bruit étrange comme ça? En pleine nuit? Anengwa benengwa. Oh, c'est étrange. Ai-je menti? Faut pas mettre ton nœud dans ce qui te concerne pas. Agis comme si tu n'as jamais vu une femme nue devant toi. Qu'est-ce qu'il y a? Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. J'aimerais qu'on fasse mieux connaissance sur le plan physique ensemble ce soir. Quoi? Arrête, arrête ça. Sors, sors de ma chambre. Je dis sors. Sors de ma chambre. Maman,
Pourquoi avais-tu eu peur la nuit dernière? Tu poses trop de questions. Il y avait vraiment un truc anormal. Tout le monde avait vraiment eu peur. Mais... Personne n'a eu peur. Tu n'as jamais eu peur de ça, n'est-ce pas? Ne me trompe pas, maman. C'est très bizarre. Je sais que tu connais les forces spirituelles. Mais ce qui est bizarre est... Là, toutes les nuits, ils viennent faire leurs œuvres ici dans notre parcelle. Notre famille est menacée. Mais ça... Ce combat s'annonce clairement. Maintenant, tu m'as effrayée, maman. Je pense que nous devons dire ça à papa. Pour qu'il sache quoi faire à propos. Je le ferai après tout. Nous ne devons pas avoir peur, hein? C'est ça. Je ne vois aucun mal. Même s'il fait un appel. C'est pourquoi il y a une cour d'appel et une cour suprême. Nous devons faire beaucoup attention. Chopa est très diplomatique et aussi très intelligent. S'il est physiquement fort et intelligent, tu es spirituellement plus puissant. Face à face, il sera terrassé. C'est que nous essayons juste de ne pas... Tu me comprends, non? Sinon, s'il va continuer, nous allons utiliser Emagon. C'est pourquoi je te fais confiance. Je n'ai aucune peur aussi longtemps que c'est toi qui conduis nos mouvements. Allons chercher nos enfants avant d'aller chez lui. Nous devons tout recommencer. Pour le moment, alors que nous réglons cette affaire, toi et les membres de ta famille n'êtes pas permis de récolter aucun fruit sur ce terrain ou de cultiver aucune parcelle de ce terrain. Et pourquoi pas? Parce que nous cultivons cette terre avant votre retour. Donc, tout doit retourner à sa place jusqu'à ce que cet déséquilibre soit corrigé. Quel déséquilibre, dis-moi? Je vais cultiver sur n'importe quel terrain et utiliser n'importe quelle ressource à n'importe quel moment. Tout ce que vous dites, ça m'est égal. Vous êtes tous des ingrats. Des ingrats sanglants, c'est ce que vous êtes. Ferme la salle, garçon. Pour qui tu dépends, espèce d'idiot? La prochaine fois que tu parleras à mon père ainsi, je vais personnellement me charger de toi. Non, frère, laisse-le, je vais lui apprendre une leçon. Idiot! Viens, Onduka. Tu penses que tu as grandi au point où tu échanges les mots avec les anciens, n'est-ce pas? Viens, laisse-moi te dire. Maintenant, tout va être repartagé. Et lorsque ce sera fait, nous allons prendre avant que vous le preniez. Et si vous ne voulez pas, écoutez, je vous battrai bien. Et toi, tu as fait ça la dernière fois, je t'ai laissé. Cette fois-ci, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas permettre. Je vais commencer par vous le donner ici maintenant. Attends. Assieds-toi. Tais-toi, tu la fermes là-bas. Tu n'es qu'un idiot. Est-ce que je ressemble à ton égal? Cette jeune fille ici t'a donné deux cornes à la tête et tu ne pouvais rien faire. Si tu m'embêtes dans ce village, gare, je vais m'occuper de toi, je vais te défigurer. Allez, tu vois ce que tu dis? Mais non, ça va, ça va. Ça brûle à moi déjà. Ne fais pas brûler à moi. Doucement. Vous ne valez pas la peine. Espèce d'idiot. Bande de crétins, regardez-vous. Hey, toi, tu oses. Toi, bagarre. Tu vas le tuer. On se verra dans ce village. A mis la main dans la bouche du crocodile. Tu en as certainement les conséquences. Palais, tu es où? Palais, viens me sauver. Palais. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens ici. Reviens par ici, parfois malin. Reviens. Je n'aimerais pas que nous perdions notre bonté. À cause de ce qui s'est passé avec les membres de notre famille.
Nous sommes une famille décente et très respectable. Et ça, on doit le maintenir. Je veux qu'on renforce notre unité. C'est ce dont nous avons besoin. Ndoka. Oui, papa. Tu as encore l'âge pour le service. Et très bientôt, tu iras à la recherche d'un emploi. Awane. Oui, papa. Ne te déconcentre pas sur ta récente admission. Tu es une enfant très calme et très paisible. Et ça, c'est ta force. Mais ne laisse pas les gens, ne laisse pas les ennemis de les voir ou de la percevoir comme ta faiblesse. Merci, papa. Ici. Oui, papa. Seul Dieu connaît d'où tu viens. Ta force m'impressionne. Mais je veux que tu l'utilises intelligemment. Je le sais bien, papa. J'essaierai de contrôler ma colère. Mais ce sont toujours ces gens. Ce sont toujours ces gens qui n'arrêtent pas de nous pousser jusqu'à bout. Tu es une femme. Et un jour, tu auras ton foyer. Tu ne trouveras jamais des solutions en battant ton mari. Ça, c'est vrai. Je suis désolé d'avoir repoussé ton admission pour 3 ans. Pour que ton frère et ta sœur finissent leurs études. Maintenant, il est temps que tu reprennes le chemin de l'école. En fait, tu es contente. Ndoka va personnellement t'encadrer pour ça. Oui, je vais faire ça. Ndoka. Oui, je vais faire ça, père. Oui, je vais faire ça. Mais Soma. Papa. Tu es vraiment une enfant très adorable. Ton destin, je ne peux toujours pas le deviner. Mais je suis sûr que tu as quelque chose de très spécial en toi. Mais je veux que tu utilises ces dons-là sagement. Ma chère, ne t'inquiète pas. Bientôt, ta boutique au marché de quoi va ouvrir ses portes. Mon Dieu. Et tu seras très occupé, donc tu n'auras pas le temps pour toutes ces bêtises par-ci par-là. Tu vas d'ailleurs trouver du plaisir dans ce que tu seras en train de faire. Une autre chose très importante. J'aimerais que vous soyez très prudents avec mes frères à partir d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont très dangereux. Ils m'ont dit des choses que je ne peux jamais imaginer. Ça, c'est vrai. Mes frères sont très dangereux. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci, papa. Merci. 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 Oh, ma cliente. 800 francs. 800 francs? Oui, non. Ah, non. C'est quoi ça donne qui 800? Ces tomates sont très fraîches, ma chère. Non, avec cet argent, ça ne marchera pas, s'il te plaît. Non, non. C'est pas un peu. Non, c'est trop cher. Tu veux ajouter combien? Moi, j'ai seulement 500 francs. Ah, mon ami, si tu n'as pas l'argent, pars. Je ne fais pas des troubles. Allez, prends 500 francs. Donne alors 700 francs. Ouloma. Mon Dieu. Ouloma. Adja. Oui, yo. Donc, tu es dans cette ville? Je suis dans cette ville, ma chère. Ravie de te revoir. Donc, tu es dans cette ville? Bien sûr que je suis dans cette ville. Bien sûr. Mais tu avais dit que tu allais voyager pour l'Afrique du Sud. Ma chère.
Là-bas, ça n'avait pas marché pour moi. Alors j'avais décidé de rentrer ici. Ça suffit pour moi, oh. Dis-moi, qu'est-ce que tu es devenu? Et que fais-tu ici? Eh bien, moi je suis ici avec le prince du royaume des Kagou pour devenir bientôt sa femme. Hey! Oulama! Tu veux dire que tu vas te marier bientôt au prince du royaume des Kagou? Un de très beaux villages de ce pays? Au seul prince du royaume des Kagou? Oulama! Regarde-moi, oh. Je n'ai pas compris comment soudainement ça m'est arrivé. Et le prince, il m'aime comme un dingue. Ma chère, tu as vraiment eu de la chance, oh. Alors, pourquoi es-tu ici toute seule, en train de faire les achats? Tu devais avoir les servantes avec toi. C'est mon choix, ma chère. Tu sais, je n'aime pas attirer l'attention pour rien du tout. Ah bon? As-tu fini avec tes achats? Parce que j'aimerais aussi continuer. Ok, calme-moi, serve d'abord. Hein. Ok, s'il vous plaît, servez-moi. Allez, vite, 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 vite. Mon prince? Oulama, as-tu par chance pris de l'argent de ma valise? Je t'ai posé une question. Oui, c'est 100 000. Pourquoi? Pour les tâches ménagères comme les provisions. C'est d'ailleurs ce que je suis venue te dire. Le repas est prêt. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de toucher ma valise jusqu'au point de prendre mon argent? Je te prie de me pardonner, mon prince. Ne te mets pas en colère. C'est juste que j'avais besoin d'un peu d'argent pour faire les achats. Et comme tu n'étais pas là, alors j'ai... Toi, écoute et écoute-moi bien. Tu n'es pas ma femme, donc fais ce que tu veux dans ma maison. Ok? Si tu veux quelque chose, tu me demandes la permission avant d'aller toucher mes choses. Est-ce que c'est clair? Oui, mon prince. Mon prince, viens manger. Oh mon Dieu. Quoi? Tu n'aimes pas cette nourriture? Mon esprit devient soudainement lourd. Oulama, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Comme quoi? Je ne comprends pas. Je sens quelque chose d'étrange. Mon prince, tu es en train de me faire peur. Oulama, et tu sais quand tu ne l'as pas fait? Il n'est pas ici, hein. C'est comme nous sommes en retard. Un peu de patience. J'ai appris qu'il est quelquefois invisible. Qu'allons-nous faire maintenant, hein? Donc tous nos efforts pour venir ici sont sans résultat? On va attendre. Nous sommes déjà arrivés. Même s'il faut attendre jusqu'au petit matin avant que moi, Périne arrive. Oui. On te salue. Salut. Nous sommes les admirateurs de la déesse de la nuit. En fait, notre venue ici a été arrangée par l'un de vos éléments, Oga.
Nous avons besoin de vos aides. Hein? On a besoin de vos aides. Allez tout droit au but. J'ai peu de temps à gaspiller ici. Le retour de notre frère aîné nous prive de tout ce dont nous jouissions. Mmh. Tout le bien dans notre famille tourne en sa faveur. Tout va dans son avantage. Tu parles de Boubédiké? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Le tuer et son fils aussi. Son élimination est très urgente. C'est urgent. Hein? En fait, nous voulons devenir les membres de Ndio Bodo. Concernant les femmes, on peut parler de ça après. Oui. Laissez ce que vous avez apporté. Attendez-vous à une bonne nouvelle. Votre appartenance à ce culte n'est pas un problème. Allez-vous-en. Ouga, on va vous assister à la préparation de l'initiation. Hey, merci. Neoburupa. Neoburupa. La grande déesse. Accueillez la puissance des ténèbres. Le Seigneur de la nuit. Bienvenue. Vous avez eu le privilège d'être en ces lieux. Y a-t-il un problème? Chief Udoji, l'ancien officier de police a été tué pour avoir défié l'un de nos membres. C'était un travail parfait. Je ne crois pas que tu as tout dit. Ça n'a jamais été résolu. Je suis en conflit avec Idjé Obuka. Ton conflit n'a pas sa place ici. Je connais très bien Idjé Obuka. Il n'a pas encore été initié. Et c'est un tabou qu'il détienne nos secrets. Djamike et Lomalo sont des potentiels seigneurs de la nuit. Et même son frère Ouga demande l'adhésion à cette communauté. Les règles sont claires, Mwabi. Les secrets ne sont livrés qu'à ceux qui sont initiés la nuit. Tu as déjà accepté le sacrifice sans tenir compte de cela. Comment aussi? Grande déesse de la nuit, pardonne mon indiscrétion. Je vais rapidement corriger mes frères. C'est une bonne chose. Sinon, tu allais mourir comme rien. Et que ce soit la dernière fois que tu détruises notre réunion. Fou que tu es. Bien quoi? Mes salutations. Omalo. Hein? Je te renvoie ta salutation. Je suis surpris de cette salutation. Bien. J'ai juste décidé de venir voir comment vous allez. Est-ce que ton fils aussi va bien? Oui, mon fils va bien. Depuis quand tu t'inquiètes pour mon fils? Nous sommes famille, n'est-ce pas? Les événements récents nous disent le contraire. N'est-ce pas? C'est juste pour voir comment toi et ta famille vous vous portez, oh? Je vais quelque part. S'il te plaît, excuse-moi.
Je n'ai jamais vu cette réaction ici. C'est juste sa conscience coupable qui le dérange. La conscience coupable les dérange tous. Toutefois, oublie à propos de lui. Ce que j'essaie de te dire est que, tu vois, tu sais, dans la vie... Non, okay. Ce n'est pas ce que tu nous as promis, hein? Tu nous as assuré que notre frère et son fils seraient morts hier soir. Tais-toi. Est-ce que vous réalisez l'impact que votre présence a causé au royaume de la nuit? Ouga, honorer ton amitié pour rendre service à tes amis m'a déjà causé un problème sérieux avec la reine de la nuit. Et tu en connais l'implication, n'est-ce pas? Toutes mes excuses. La déesse de la nuit a ordonné pour une initiation immédiate. Et je suis là en tant qu'exécuteur, en train de demander que ce soit fait cette nuit. Ils sont prêts pour l'initiation. Je t'assure. Vous pouvez partir. Grande déesse de la nuit, nous t'honorons. Devant les grandes puissances et pouvoirs de la nuit, on te présente nos nouveaux convertis. Bien, le sang de l'obscurité vous souhaite la bienvenue. Votre initiation est déjà complète. Mais, pour une fois, vous avez échappé à la divine de l'obscurité. Mais, grande déesse de... Tais-toi! Tu n'es pas qualifié de dire quoi que ce soit ici. Pour réparer cette relation avec elle, vous devez emmener le sang. Vous devez emmener un sacrifice pour le sang de l'obscurité. Guakwe. Oui, ma grande. Emmène-le. Suivez-moi. Mais où se situe encore le problème, hein? Mais nous avons déjà donné Eboubédike et son fils pour le sacrifice. Ou bien? Exactement, deux au même moment. Le sang de ces deux-là est scellé. Leur destin est déjà scellé dans le royaume des nuits. Il nous faut du sang frais pour établir une relation entre vous et moi. Et donc, il serait mieux pour vous de livrer vos propres membres des familles. Mais nous, je ne peux perdre aucun de mes enfants. Je n'ai que deux. Et je n'ai qu'un seul. Alors, soyez très rapide. On ne peut pas faire attendre la mère. As-tu vu le problème dans lequel tu nous as plongé? J'ai souvent su que... ton amitié ici avec Oga va nous mettre dans des problèmes un jour. Pourquoi tu vomis des bêtises? N'as-tu pas suggéré que nous cherchions un pouvoir supérieur qui puisse nous aider à faire taire et boubédiquer? De quoi tu parles ici maintenant? Ok. Pas de querelle à ce sujet. Ok? Tu as deux enfants. S'il te plaît, donne un afin que. Non. Nos familles soient sûres. Tu es malade, Oumalou. Écoute, les cerveaux de mes enfants sont corrects. Quelle est au juste l'utilité de ton fils-là maintenant? Écoute, Otondo est bien pour ce sacrifice. Non. Il est inutile pour ta famille. Non. Pense un peu à ça. En fait, il est mon fils unique. Non. Otondo n'est pas aussi un bon arrière comme vous le pensez. Il est mon fils unique, ma seule fierté. Il ne peut pas être sacrifié. Je dis, il ne peut jamais être sacrifié.
La grande déesse n'est pas contente de vos arguments. Elle a opéré un choix. Jamike, ta fille doit être sacrifiée. Vous deux pouvez régler vos indifférences en dehors d'ici. Tu vois ce que tu as causé? Mais je n'ai pas choisi ta fille, non? Non. C'est pas moi. Oh, non, mais oh, c'est moi qui ai porté le choix sur sa fille. Sois la bienvenue chez moi. Waouh! Cet endroit est vraiment classe. Le prince n'est pas là. Vas-y, prends place. Ulloma, en tout cas, je t'envie, oh. Tu es bien haut. Hein? Regarde la maison. C'est beau. C'est la grâce de Dieu. Mais dis-moi, que puis-je t'offrir? Brandy, je sais que tu as beaucoup de jeux ici, mais je veux brandy. Il n'y a pas de brandy. Le prince ne boit pas de spiritueux. C'est vrai ça. En tout cas, excuse-moi, je ne savais pas du tout. Hein. Bon, donne-moi tout ce que tu veux alors. N'importe quel jeu. Ok, ok, t'inquiète. J'arrive tout de suite. Dire ceci. Vous ne me connaissez pas, mon prince. Je suis l'une des filles de votre royaume. Alors? Qu'est-ce que le prince fait dans une même maison avec une sorcière? Quoi? Je connais Ulloma il y a longtemps. C'est une grande sorcière. Vous devez la mettre dehors de votre maison, sinon elle va vous dévorer. Attends. Je veux plus d'éclaircissement. Vous allez encore me revoir, mon prince. Mais premièrement, chassez Ulloma de la maison. Ma fille. Ça suffit. Jamike, mais ça suffit. Hein? Tu pleures depuis une semaine sans cesse. Hein? Ce qui est fait, est fait. Arrête de pleurer. C'est facile pour toi de dire. Parce que ce n'est pas toi qui as perdu ton enfant. Comment peux-tu dire une chose pareille? Idioma était aussi ma fille, aussi bien qu'elle l'était pour toi. Et sa perte me concerne. Et ça me donne aussi de la rage. Tel que c'est le cas chez toi. Écoute. Les gens peuvent commencer à penser maintenant que tu es à ta main dans sa mort. Si tu continues à pleurer comme ça. Maintenant, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Jamais. Mm-hmm. Jamais. Non, ce n'est pas comme ça, mon frère. Non. Hein? Papa. Papa, tu continues à pleurer? Je vais bien. Dieu connaît le meilleur. Ah, papa, tu ne vas pas bien. Regarde-toi. Ça montre que tu ne vas pas bien. Papa, arrête ça, non? Alors si maman venait ici, elle va encore reprendre à pleurer ici jusque-là. Je suis fatigué de la consoler. Ça va aller. Je ne pleure plus. Va voir ta mère. C'est bon, papa. Je ferai ce que tu m'as dit. Mais, hein, mais ça va, non? Hein? S'il te plaît. Tu sais ce que nous devons faire. Nous allons combiner toutes ces frustrations et peines pour détruire Ebudike et sa famille.
En ce moment, rien d'autre ne peut nous empêcher. Rien d'autre. Cette nuit, Eboubedike et sa famille tout entière périront. Jésus! Meso, qu'y a-t-il? Cette photo était dans la chambre? Oui, c'était là-bas. Meso, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé là-bas? Ne permets pas qu'un mal arrive à mon père ou à un autre membre de ma famille. Donne-la-moi. Rentre dans ta chambre. Va dormir. Va dans ta chambre. Va. Va dormir, ma chère. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. La photo, avec le sang, ça c'est vraiment bizarre. Ça c'est rien, ça ne veut rien dire. Rentrons dormir.
mon prince. Mon corps se languit de toi. Je ne pourrai plus tenir plus longtemps. Qui ou quoi es-tu exactement, Oloma? Je t'aime, mon prince. Est-ce que tu ne vois pas tout ce que je fais pour te faire plaisir? Tu n'as pas répondu à ma question. Je demande, qui ou quoi es-tu exactement? Je ne comprends pas. Depuis que tu es venu dans cette maison, tout ce que j'ai rêvé, c'est la sorcellerie. Tu es une sorcière, n'est-ce pas? Mon prince, comment peux-tu dire une telle chose? Sans effet. Tu as encore échoué dans ta mission. Je suis désolée, ma déesse. Je ne cesse de tenter, mais il y a un esprit trop fort à briser. Donc tu admets avoir failli à ta mission? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, ma déesse. Ta mission ici est de travailler pour l'esprit et non faire autre chose que ça. Tu m'envoies ici parce que tu sais que je peux le faire. Je demande juste un peu plus de temps. Alors cours après les temps. Détruis-le et détruis toute autre chose. Ça, c'est vraiment étrange. Il est clair que c'est les ténèbres qui est derrière tout ça. Courage. J'avais prévenu Obedit. Je l'avais prévenu d'être très prudent. C'est moi, Otondo. J'arrive maintenant. La vie est toujours comme ça. Oh, désolé, ne pleurez pas beaucoup, hein. Ce vin de palme est pour vous. Pour recevoir les visiteurs avec. La chèvre aussi, c'est pour vous. Mais qui sont ceux-là que je vois là-bas? Vous êtes venu pour compatir avec cette famille après avoir tué mon père et fait disparaître ma soeur dans la nature? Laissez-moi vous dire, si je vous vois encore approcher cette maison, Mwanduka, je vais vous abattre avec cette arme. Je vous promets cela. Des meurtriers sanglants, des buveurs de sang. Laissez-moi vous dire, aussi longtemps que je vis, vous n'aurez jamais la paix dans cette famille. Que je vois l'un d'entre vous approcher les biens de mon père, Mwanduka, je vais vous faire souffrir tous. Mon père, lui, était un diplomate. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de la patience pour la diplomatie. Laissez-moi vous dire, vous êtes des imbéciles, des bons à rien. Vous avez tué mon père, vous êtes venu pour se moquer de lui. Un homme de grande valeur, un homme de potentialité. Des oncles sans valeur, des cousins dépravés, des bons à rien. Revenez ici, des stupides. Des buvets de sang, je vous entends. Mon Poupaka. Oui, maman. Banjo. Oui, maman. Banjo. Oui, maman. Regardez-le. Ça va aller. C'est fini. Maman, ça va, c'est fini. Maman, ça va. Maman, ça va. Quel pouvoir étrange. Trop fort pour la reine de la nuit. Ça, c'est un blasphème.
Il n'y a aucun pouvoir qui a été créé pour disgracier le nôtre ou le faire tomber. La reine, mais j'ai essayé tous les pouvoirs que tu m'as confiés. Ça ne marche pas. La lumière, l'élimination de tout ça travaille encore en elle. Ne le change pas encore. Très bientôt, son âme deviendra la nôtre. Donc, ils ne vont jamais la retrouver aussi longtemps qu'elle est notre prisonnière? Jamais. Ah, Mazu Kebu. Ne m'appelle surtout pas. Il est clair que ton frère et toi avez rejoint les forces de la nuit pour travailler cette communauté et avez réussi à éliminer votre grand frère, Ebu Bedike. Ne m'appelle pas. Tu ne sais pas comment garder ta bouche de dire des mensonges, n'est-ce pas? Tu parles de ma bouche? Donc c'est ce terrible scandale que tu crées maintenant dans ce village, n'est-ce pas? Ni que vous n'avez pas utilisé de la magie noire pour éliminer votre frère, ou que vous n'êtes pas membre de Anewa Banewa, hein, dans cette communauté. Ni! Tu veux nous causer de nouveau des maux de tête dans ce village, n'est-ce pas? Je ne suis pas des maux de tête. Bien. Le rat qui insiste à savoir pourquoi le trou est si profond sera avalé. Tu ne peux rien me faire à moi. Tu ne peux rien me faire. Tu as craché sur mes jambes. Ça peut t'enseigner à fermer ta bouche. Jean-Mickey, tu as craché sur mes jambes. Pour quelle raison? Hey, Jean-Mickey, Igwe va apprendre ça. Qu'est-ce que tu as fait à mes jambes? Aïe! 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 Oh mon Dieu! Jean-Mickey, qu'est-ce que tu as fait à mes jambes? Tu as empoisonné mes jambes! Aïe! Si tu ne fais pas attention, je vais te rendre muet. Je vais dire tout ce que tu viens de me faire. Je verrai la bouche que tu vas utiliser pour me rappeler. Jean-Mickey, qu'est-ce que tu as fait à mes jambes? Aïe! Aïe! Tu iras au tombeau avec cette plaie à moi. Est-ce que tu présentes des excuses? Pourquoi tu m'as fait ça? Je promets de te faire taire sur les choses qui ne te concernent pas. Aïe! Aïe! Je peux apporter ton repas, mon prince? Non, merci. Je n'ai pas faim. Est-ce que tu évites ma cuisine? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec ma vie? Ça veut dire quoi? Mais je t'aime, mon prince. Allô? La sorcière est toujours chez vous, mon prince. Écoute, je veux que tu m'expliques les choses clairement. Et ton nom et d'où viens-tu? Ah, ne vous inquiétez pas pour mon nom. Comme la sorcière est toujours dans votre maison, je dois partir maintenant. Allô? Tu m'as l'air perturbé, mon prince. C'était qui? Je veux que tu apprêtes tes effets. Je te ramène au village. Mon prince! N'essaie pas de disputer avec moi. Apprête tes effets. Oh, mon prince! Mon prince! Espèce de maudit cafard! Alors comme ça, tu connaissais ma mission? T'aurais pas dû t'en mêler. Elle ne figure pas sur ton ordre de mission. Exécute ta mission en premier. Maman,
ça fait déjà 2 semaines. Penses-tu que Mince sera toujours retrouvée? Ma fille n'est pas morte, ça c'est certain. Mais qu'est-ce que te rassure, maman? Qu'est-ce que te rassure? Où ne sommes-nous pas passés dans ces villages pour la chercher? Où? On a même fait une annonce publique. On est allé contacter tous les journaux pour la publication. Ne sommes-nous pas passés à la télé et à la station de radio? Partout nous sommes passés, il n'y a pas toujours de résultats. Maman, où devons-nous encore aller? Qu'est-ce que nous devons encore faire pour retrouver Minso? Quoi d'autre? Tu ne devrais pas perdre espoir. Où est ta foi? Kondimane Zawapi. Tu as raison, maman. Le corps de Meso n'a pas été encore trouvé. Je crois que notre sœur est quelque part. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas morte. Et pour ma part, je vais continuer ma recherche. Je ne vais pas abandonner ma sœur, Meso. Je continuerai ma recherche jusqu'à ce que je la retrouve, maman. Ils ont réussi à tuer papa. Mais ils n'ont pas réussi à nous tuer. Maman, je te promets, aussi longtemps que je vis, ils n'approcheront jamais à aucun de nos biens. Ça, je te le promets, maman. C'est dans ce genre de moment qu'on a besoin d'un brave fils comme toi, Nduka. Je souhaite que tu quittes les villages pour la cité aussitôt que possible. Tu es la prochaine cible. On a besoin de toi. Ça c'est vrai, Nduka, pardon, je t'ai pris. Quitte le village. Tu es le seul homme qui nous est resté. Biko, dépêche-toi, pardon. Pars d'ici. Maman, je ne peux pas retourner en ville maintenant. Je ne peux pas fuir ce village, maman. Surtout que Maison n'a pas encore été trouvée, maman. D'ailleurs, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider dans des travaux champêtres, maman. Et aussi t'aider à la maison. Rappelle-toi d'avoir dit que je suis maintenant le père de la famille. Et c'est de mon devoir, en tant qu'un digne fils, de protéger ma mère, maman. Allez, maman, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Es-tu sûr que tu seras en mesure de travailler tous ces champs toi-même? Pourquoi ne pars-tu pas appeler les RIB? Laisse-les appeler les travailleurs, ils vont faire tout ça, puis on va les payer après. Oui, maman, tu as raison. Je vais aller chercher nos RIB. Voilà, Duka. Maman, l'argent que vous voulez payer à d'autres, gardez ça pour moi. Parce que je suis capable de couper ça toute seule. Tu as encore commencé, hein? Toi avec ton essai de confiance, hein? Tu dois te prétendre de ne pas avoir cette force si tu dois te marier, ok? Frère Duka, regarde, hein. Le mariage viendra quand il viendra. Mais pour le moment, je peux défricher ici toute seule. Regarde-moi. Je te crois. Maman, je dois vite aller chercher Zébib afin qu'il vienne nous aider, ok? D'accord. D'accord, les filles, prenez soin de maman. Vous savez que je vous aime beaucoup, hein? Frère Duka. D'accord, je reviens tout de suite. Papa? Ah, maman, où vas-tu? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Thank you.
Messo? Messo, où es-tu? Nous l'avons caché au plus profond de la forêt. Heureusement, il y aura encore une bataille mortelle cette nuit. Non, pas cette nuit. C'est la sagesse qui démarque la lumière des ténèbres. Nous ne pouvons pas permettre, pas le moindre instant, que les forces des ténèbres puissent agir dans notre territoire. Nous devons croire les pouvoirs qui viennent du ciel. Je dois me dépêcher. Attends, toi tu as déjà vécu ta vie. À présent, c'est le temps de l'enfant. Tu sais très bien quoi faire si tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Souviens-toi, tu l'exposes à la mort si son initiation n'est pas complète. Garde ça en tête, nous ne pourrons pas attendre la nuit tombée. Izobibé! Attends! Izobibé! Salut mon frère Izobibé, je vais bien, merci. Poursuis-tu quelque chose ou quelque chose te poursuit? Rien ne me poursuit, hein, mon frère. Ma mère m'a envoyé vers toi. Elle m'a dit de venir te voir afin que tu organises certains ouvriers qui viendront travailler dans notre champ. Ah, ça ce n'est pas un problème, non? Mais tu dois me donner quelques minutes que j'attrape au moins un gibier. Pas de problème. Je viens à peine d'arriver. Pas de problème. Trop bien. On va t'espérer. Ok. Sinon, comment elle va? Oui, elle va bien. Tu sais qu'elle prend de l'âge, donc on doit l'aider. S'il te plaît, en renvoie-la à ses parents, mère. Pourquoi tu ne nous expliques pas si c'est quoi le problème? Les mots sont trop lourds pour dire, père. Vas-y, dis-le! Vas-y! Disons que nos esprits ne sont pas compatibles. Tiens donc, mon fils. Ça, ce n'est pas une excuse. Vous devez apprendre à vous comprendre l'un et l'autre. Tu ne nous as pas montré que la fille a fait quelque chose de mal pour que tu puisses la rejeter. Père, tout ce que j'essaie de dire, que cette fille est... Est une quoi? S'il vous plaît, renvoyez-la à ses parents, je vous en prie. Ouloma, laisse-nous un peu là. Tu voulais nous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Père, je pense qu'elle est une sorcière. Ne dis pas, je suis sérieux. Je le sens dans mon esprit. Elle est une sorcière. Ça, ce n'est pas vrai. Tout ce royaume connaît très bien que c'est vraiment une famille très très chrétienne. Juste comme notre famille aussi. Écoute, tu ne peux pas chercher à épouser une autre fille dans ce royaume. Tu sais quoi? La fille dont nous parlons ici est vierge. J'ai personnellement confirmé ça. Ah, n'est pas toujours rentrée. Elle a traîné. Ah, c'est quoi ton problème? Laisse-la vivre, hein? Ou alors tu veux partir la chercher. Tu n'as pas mieux à faire. Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain? Qu'importe, ton âme doit sortir d'ici. Mon âme est aussi emprisonnée.
Et il n'y a rien du tout que moi ou une autre personne peut faire pour la délivrer. Nous avons le choix de déterminer où notre âme peut être captivée. Je ne comprends rien. Tu le sauras. Si tu permets à tes yeux de faire un choix. Viens, ouvre cette boîte et fais un choix. Et le plus sage. Choisis-moi. Je suis l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter tout ce dont tu as besoin, y compris le pouvoir et l'influence, et tous les biens du monde. Prends-moi comme ton choix. Mon enfant, choisis-moi et d'autres choses vont suivre. Je suis le plus puissant et le plus influent, car je suis intelligent. D'ailleurs, un leader doit être plus intelligent que ceux qu'il dirige. Je te rendrai célèbre, puissant et riche. Choisis-moi. Je suis la sagesse. Choisis-moi parce que je peux t'échanger. Je me présente à toi librement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais te montrer qui je suis. Tu vas te voir. Qu'est-ce que c'est? Va là-bas. Va là-bas. Si vous l'arrêtez, tuez-le. Non. Comment l'as-tu retrouvé? Tout ce qui est caché sera découvert. Les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Tu ne peux pas la prendre. Elle appartient désormais à la reine de la nuit. Et qui va me stopper? Toi? J'en finirai avec toi. Ton pouvoir ne peut pas me limiter. Alors, je te retiendrai ici jusqu'à la nuit. Ça c'est au coucou, la forêt maudite. Je ne suis pas prêt pour mourir. Tu n'es pas prêt pour mourir? Non. Au lieu d'arrêter ce garçon, tu me dis que tu n'es pas prêt pour mourir. Je suis trop jeune, je ne peux pas accepter la mort. C'est ce que tu veux me dire avec tous ces poils sur ton corps. Et toi aussi, quand je te vois, je pensais que tu peux faire quelque chose. Tu parles comme ça parce que ce n'est pas ton frère, n'est-ce pas? Venez, arrêtons le gars là et me dites que vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir, ne me concerne pas. Parce que ce n'est pas votre frère. Otondo, si tu veux mourir, va mourir seul. Nous partons.
Oui, on bouge, meurs seul. Si tu te vois dans le village, tu vas mourir. Que je punisse ta génération, que je punisse ton père. Tu vas mourir là-bas. Laisse-moi te dire, à Mouchi, nous brûlons les gens avec les pneus. Ces gens sont des Diakondé, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas la force. Viens, tu vas voir que je te punisse. Et voilà, vous n'allez pas m'attendre. Vous êtes malade, imbécile. Stop. Tu es une sorcière, maman. Je t'ai vue. Chut. Attends, je te cherche quelque chose à manger. Attends. Tu as très mal, maman. Tu voulais m'initier, maman, dans la sorcellerie. Tu as reçu la parole. Quelle parole? Ce que je te faisais comprendre concernant le boîte. Oh, Dieu. Ton initiation n'était pas complète. Tu dois garder ça comme secret. Quoi? Tu es une sorcière? Oui. Mais je ne suis pas le genre de sorcière que tu crois. Je suis une blanche sorcière. J'ai aucune relation avec les ténèbres. Tu le comprendras plus tard. Tu dois me faire une faveur. N'ose pas dire un mot à qui que ce soit. Quoi? Ça c'est quoi? Ils ont Yonduka. Non! 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 Maman, maman, réveille-toi. Maman, 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 réveille-toi. Maman, maman. Il n'est pas mort. Dieu merci au... Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, Dieu merci au... Tu es en vie. La méchanceté des enfants des Boubédiké ne peuvent jamais t'ôter la vie, mon fils. Hey! Qu'aurais-je fait? Dieu merci. S'il te plaît, allons à la maison d'abord, mon fils. Où est ce... stupide Nduka? Oublie-le pour le moment. Hey. Prends soin de toi d'abord. Écoute, mon fils, peut-être qu'il est temps que toi et Otondo, vous reconsidériez ces choses que vous fumez et buvez souvent, hein? Et aussi, reconsidérez votre mode de vie d'écola au profit de quelque chose de mieux, quelque chose d'intéressant. Allons-y. Lève-toi et partons. Dieu merci, tu es vivant. C'est ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Tessamara. Dieu merci. Tessamara. Mais ça, comment vas-tu? Ah, ma sœur!
Maman, qu'est-ce qui va pas avec maman? Maman, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Où as-tu trouvé maison? Où est Nduka? La réponse reste un mystère. Ce que veut dire? Nous devons d'abord aider maman à reprendre ses forces. Ah! Oh mon Dieu! Oh, je m'en vais le chercher. Faut que je le trouve. Grande sœur! On doit aller les chercher urgemment. Arrêtons de pleurer et de faire le deuil. Ikena est déjà guérie. Allez, suis-les. Suis-les. On doit les chercher, on doit les retrouver. Que maman reste avec Menso. Nous, on doit partir le chercher. Bon, je m'en vais le chercher. Faut que je le trouve. Grande sœur, tu ne vas pas le retrouver. Que veux-tu dire? S'il te plaît, tu ne peux pas comprendre. Et comprendre quoi? Si tu te précipites, tu seras vraiment dans un danger. Tu n'es pas sérieuse. Grande sœur! Maman, maman, j'ai besoin de réponses à mes questions, maman. Je suis étourdie, mon enfant. Je suis étourdie. Mais j'ai besoin de réponses. Les choses que je parlais et voyais dans mon esprit étaient vraiment très très compliquées pour ma compréhension. Nduka a maintenant pris ma place dans cet endroit ténébreux. Il est dans un grand danger. Tu es une enfant de la destinée. Tu as de l'expérience spirituelle que des gens ordinaires ne sauront pas comprendre. Je n'arrive pas du tout à le comprendre, maman. La terre elle-même, elle est en constante bataille. Deux forces opposantes sont déterminées de prendre le contrôle et régner. Je fais longtemps partie de ces combats pour préserver les pouvoirs positifs de l'univers. C'est la raison pour laquelle tu es une sorcière. Tu peux les qualifier comme tu veux. Cette terre est remplie des hommes malins. Beaucoup de peuples de notre communauté sont sous l'emprise de ces hommes rusés. Tu peux voir ce qu'ils ont fait et continuent de faire à cette famille. J'ai combattu les bons combats pour protéger ma famille et tous ceux qui sont proches de moi. Je suis étourdie, mon enfant. Peut-être que toutes ces forces peuvent être vaincues. La réponse que tu cherches est cachée dans le combat. Maintenant, tu fais partie des lignes des soldats illuminés. Oh oui! Mais insolissant, une boutade d'un jour à venir. Mais ton pouvoir ne sera jamais envoûté, à moins que tu complètes l'initiation dans la cour de l'élimination. Non! Non! Je ne peux pas être une sorcière. Même si c'est noir ou blanc. Je sens mon pouvoir. Oui, je sens mon pouvoir. Mais ça n'appartient à aucune classe de sorcellerie. Tu es la seule qui pourra affranchir ton frère. Qui pourra vaincre le pouvoir qu'il a en tant que ton frère. Ne comprends-tu pas? Non. Non. Je ne veux pas être une sorcière. Je ne peux pas être une sorcière. Je ne veux pas, maman. Je ne peux pas. Avec tout ce que vous avez fait, vous devriez avoir honte de ne pas réussir la mission que je vous avais donnée depuis ce jour-là. C'était en plein jour, grande déesse de la nuit. Ce n'est pas une raison. Vous devriez faire un effort. Tel que cela vous plaise. Nous n'avons pas tout perdu. Au moins, nous avons le garçon qui est à la charge de la famille. Tu appelles ça victoire? Un sang important que je veux remplacer par un autre qui n'a même pas de l'impact sur notre royaume? Tu dois t'expliquer chez Lucifer.
Ce sang n'est pas important dans nos mains. L'important est parti. N'importe quoi. Son sang n'est même pas fort pour notre purification. Relâchez-le. Grande déesse, nous ne pouvons pas le libérer. Mon frère et moi avons toujours voulu qu'il soit détruit, complètement détruit, mort. Qui a parlé de la liberté? Il peut bien rester avec nous. Mais vous devez vous concentrer pour détruire deux personnes, la fille et sa mère. Parfait. La mère et l'enfant sont dans un même endroit. Mon Dieu, les forces des ténèbres. J'ai senti cette vibration au-dedans de mon esprit. Maman? Maman? Mon Dieu, je t'avais couvert. C'est la raison pour laquelle je continue de respirer. Alors tu as besoin d'autres forces pour que tu restes forte à faire face à ces combats. Mais ça, tu n'as pas de choix. Tu dois d'abord finir l'illumination. Tu dois sauver ton frère. Tu dois sauver ton frère. Non. Je ne peux pas être une sorcière. Je ne peux pas être une sorcière. Non. Je ne peux pas. Encore cette petite. Elle a barré ma puissance. Elle a essayé d'empêcher ma puissance. Où est-ce qu'elle a vraiment trouvé ses pouvoirs? Cette bataille devient vraiment intéressante. Thank you.
bonne arrivée, mon prince. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu es arrivé? Je t'ai laissé à Ikeago. La nuit dernière, j'ai compris que tu reviendrais ici, mais que tu ne trouverais personne pour l'entretien. J'ai pensé venir plutôt ici pour mettre la maison en ordre. Je suis arrivé le matin avec le premier bus. Les clés. Comment est-ce que tu es entré? Je m'étais souvenu que tu avais laissé la porte de la buanderie ouverte. Ce n'est pas vrai. Je me souviens avoir personnellement sécurisé cet appartement avant notre départ. Je ne sais pas où. Moi, j'ai vu la porte ouverte. Voilà. Laisse-moi t'aider, mon prince. Non. T'inquiète. Ça va. Je chasse au père. Je chasse toi, tout esprit de poursuite. Toi, tout esprit démoniaque. Esprit de ténèbres. Esprit de division. Oh, oh, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Que tous nos ennemis périssent. Que tous nos ennemis périssent maintenant. Au feu, au feu, au feu, arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan. Oh, oh, dans le nom de Jésus, vous êtes vaincu. Dans le nom de Jésus, vous êtes vaincu. Oh, chelou. Oh, 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 je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Votre règne a pris fin ici et maintenant. Ici et maintenant. Tous mes ennemis, je vous délogne, je vous chasse. Vous n'avez plus aucune autorité ici dans cette maison, dans cette vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre possession de cette maison. Oh, toi seul, viens régner. Toi seul, viens régner. Toi seul. Oh. Toi seul, viens régner dans cette maison. Que ton esprit vienne régner dans cette maison. Que ta paix vienne régner dans cette maison. Que ta joie vienne régner dans cette maison. Oh, Jésus. En ton nom, je commande. Tout esprit qui ne vient pas de toi. Tout ce qui ne t'honore pas, oh Seigneur, vas-y détruis dans cette maison par le feu, consume, brûle, cassine toutes leurs œuvres là de Jésus. Oh, allez le faire dévorant sur tous, sans exception, qu'ils périssent tous. Je le dis et je répète, que tout pouvoir qui ne vienne pas de toi, qu'il soit éliminé, qu'il soit chassé, qu'il soit brûlé, oh nom de Jésus. Par le feu, par la foudre, par le feu, par la foudre, amen, par le feu, par la foudre, dans le nom de Jésus, oh toi Belzéboul, tu es vaincu, sortez, je vous chasse, vous n'avez pas de place ici, je vous détruis, feu dévorant sur vous, feu dévorant sur vous, soyez vaincus, vous êtes vaincus, vous avez perdu, vous êtes vaincus, oh papa détruis-les, papa détruis. Je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. Je prends possession de mon territoire. Papa, détruis-les. Papa, chasse-les par ton nom puissant. Montre ta gloire. Montre ta gloire. Détruis-les, détruis-les, détruis nos ennemis. Oh l'homme, tu étais très fervente dans tes prières hier nuit. J'étais surpris de t'entendre prier en langue. Je ne suis pas très à l'aise contre plein de sorcellerie qui serait dans cette maison. S'il y a vraiment des forces des ténèbres qui agissent ici, alors nous devons les contre-attaquer en tant que chrétiens. Ouais, tu as raison. Mais écoute, ce n'est pas que j'ai peur de la sorcellerie. Je veux dire, je sais que ces pouvoirs ne peuvent pas avoir la victoire sur moi. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
Ok? Par ailleurs, j'ai remarqué que tu n'as pas pris ton petit déjeuner ce matin. Je jeûne. C'est vrai? Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Écoute, je n'essaie que d'être curieux ici parce que je dois demander. Si tu es vraiment une chrétienne si dévouée, pourquoi tu te jettes à moi? Mais je ne m'étais jamais offerte à aucun homme avant toi. Si tu m'avais contrôlée, tu aurais su que je suis encore vierge. Et en plus, toi, tu es mon mari et je t'aime. La fornication est un péché devant Dieu. Attends un peu. Viens. Ousmane. Prends place, prends place. Allez, on est presque. Passe. Aïe. Si méchant. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça, mon Dieu? Irène, avec ses cauchemars, c'était vraiment terrible. Ganson, s'il te plaît, donne-lui à manger. Maman, faut que tu manges, non? Fais l'effort de manger. Hein? S'il te plaît. Tu peux aller, ici. Viens à mes côtés. Vous êtes venue m'achever? Écoute, femme, je ne suis pas ici pour ces diatribes, ces stupides diatribes. Maintenant, écoute et écoute très bien. Hein? Si je n'ai pas invoqué la colère des dieux des ancêtres depuis la mort de notre grand frère, ce n'est pas faire preuve d'un poltron. Oncle, tu nous as fait beaucoup de mal, oncle. S'il te plaît, je t'en prie. Laisse-nous tranquille. Pardon. Ah, est-ce que c'est la radio que j'entends ou bien c'est un être humain qui parle? Tu es malade, impoli. Tu as aussi, tu as la bouche pour parler quand les hommes parlent. Qu'est-ce que tu as? Je vais te le montrer maintenant. Tu es malade, regarde-toi. Allez, ferme ta bouche aux gens. Lâche. Regardez celle-ci. Maintenant, écoute, femme. Écoute et écoute très bien. J'ai une nouvelle pour toi. Toi et tes enfants. Vous sortirez de cet appartement et aller vivre dans ma petite cabane. Cependant, moi, le plus âgé en vie de la famille Ouama, j'occuperai cet appartement. Ah! On verra. On verra bien. Ta face de maman, calme-toi. Calme-toi. Ça, ce n'est pas possible. Aucun de vous ne nous mettra hors de cette maison. Avant de le faire, vous devez passer par moi. Et toi, Uzo, méchant que vous êtes, de n'importe quoi. Tais-toi, laisse-moi te dire. Vous voyez votre salon là, c'est ce que je vais transformer en ghetto. Là où je vais fumer mon chanvre indien et boire. Je suis peut-être une femme de paix. Mais ça, je ne l'accepterai pas, oncle. Le fils de mon père n'a pas encore été déclaré mort. Et moi, en tant qu'enfant la plus âgée, je dis que personne ne prendra la maison de mon père. Ni vous, ni vous. Et certainement pas cette chose. Je préférerais encore mourir plutôt que de vous regarder vous accaparer de cette maison. Et ça va arriver. C'est toi le méchant qui mourra avant. C'est toi qui vas mourir avant tous, méchant que tu es. Écoutez, ce n'est pas le moment de chamailler, de se disputer. J'ai une bonne nouvelle pour vous toutes.
Je suis content de vous annoncer que nous avons maintenant un acheteur pour le grand terrain familial. Et ça va dans les millions. Aucune d'entre vous n'est permise d'entrer sur ce terrain. Je ne peux pas le faire. Maman, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Ne l'essaye même pas. Maman, maman, n'essaye même pas. Maman, maman, avertis Léo. Ah, ok, vous allez voir, non. Ah, tu vois pas là, nous perdons le temps ici. Laisse-la. Tu ne le feras pas. Pourquoi vous êtes vraiment très très méchant? Pourquoi? Toi la petite souris, est-ce que ces esprits démoniaques t'ont déjà possédé? Allez, ferme ta gueule avant que je ne te tue. Allez, essaye, on verra bien. Katakwa, Katakwa Baboy, Otolo Baboy, n'avez-vous pas votre propre terre à vendre? Pourquoi voulez-vous vendre la terre de mon mari? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Ferme-la! Est-ce que c'est parce que nous avons permis que ces sorciers et sorcières vivent avec nous dans cette famille? Hein? Laisse-moi te poser cette question. Dans ce royaume marin, là où vous tenez vos rencontres, est-ce que les femmes ont du terrain? Si tu continues de parler à ma mère comme ça, je vais finir avec toi, idiot. Pour le gars d'Adjegoulé, où étiez-vous quand Mouchi a pris dessus? Tu es malade? Mon fils n'est pas encore retrouvé. Pourquoi vous faites ça? Mais il faut qu'il vienne. C'est pas gentil. Maintenant, écoute, femme. Cette décision est finale. C'est la décision finale de la famille. Allez, venez. Essaie juste de passer. Passez cette ligne et puis on verra. Essayez de passer cette ligne, on verra. Essayez, non. Venez passer cette ligne. Allez, essayez. Passez, venez récupérer votre parcelle. Méchant que vous êtes. N'importe quoi. Ça, c'est l'hymne national quand tu chantes comme ça. Ne m'essayez pas, vous allez regretter. Cupide que vous êtes, venez prendre la parcelle. Venez, non, on va voir. Maman, tu le dis, moi. Hein. Maman, tu vois ça? Je suis le propriétaire de ce royaume. Je suis le fils aîné de Agbala. Toi, c'est Amel. Ça sera mieux. Voici. Ça sera sur ma tête comme une fleur. Gadego, c'est moi le chef. Mazio Kebo. Oh mon Dieu. J'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir, sur ta jambe. Je ne suis plus en mesure de résoudre ce problème. Je suggère que l'on puisse amputer cette jambe avant que la partie qui reste soit infectée. Ah, s'il te plaît, pardon. Essaye tout ce que tu peux faire pour guérir la jambe. Je suis parti chez plusieurs guérisseurs, mais ils n'ont pas résolu. S'il te plaît, aide-moi avec cette jambe. S'il te plaît. Tu as des conflits énormes avec les dieux. Et ils continuent à rejeter tes sacrifices. Je n'ai pas offensé les dieux. Ce n'est que les travaux d'un sorcier de notre communauté appelé Njamike.
Je sais qu'il est sorcier, mais il n'est pas en mesure de surmonter tous les dieux de cette communauté. S'il te plaît, aide-moi, je vais mourir. Oh. C'est comme si les dieux sont du côté des Jamaïcains. Et je te suggère de traiter avec Jamaïcain. Hein? Jamaïcain qui a détruit ma jambe jusqu'à ce point. Tu veux que je parte traiter avec lui? S'il te plaît, pardon. Sur mon cadavre, je préfère mourir. Hey! S'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Mazio Kebo, quelquefois, la têtutesse conduit les gens rapidement à leur tombe. Je comprends très bien que ta jeune femme a mis au monde des jolis garçons. Tu veux que ces garçons innocents n'aient pas le privilège de connaître son père? Non, non, non. Et tu refuses les instructions des dieux? Les dieux veulent que tu partes traiter avec Jamaïcain. Jamaïcain? En tout cas, excuse-moi, je ne peux pas faire ça. C'est bien. Merci, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Hey! Hey! Libérez, s'il te plaît, non? Je t'en prie, s'il te plaît. C'est toi qui nous aides à trouver à manger, non? Maintenant que maman est malade, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, non? Franchement, je suis dérangé par Nyobodo. Ce village est plein de sorciers. Nyobodo? Oui, ce sont les sorciers de la nuit. Si je fais ce travail pour vous, ils vont détruire ma famille. Alors, Délibé, donc ça veut dire que tous les hommes maintenant doivent avoir peur de ces hommes méchants. Hmm? Alors? Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun homme brave dans tous ces villages pour faire face à ces hommes méchants. Hein, c'est Délibé? Ma chère, tu ne vas pas comprendre. Ceux qui ont essayé ne sont plus vivants pour nous dire quoi faire. S'il te plaît, trouve quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. C'est donc pour ça que tout le monde refuse de travailler sur nos champs? Tu as vraiment besoin de ma réponse? Lâche-moi! Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors comme jusqu'ici, vous tous, vous avez peur de monter cet arbre, je vais vous prouver le contraire. Je vais monter cet arbre moi-même. Parle à ta sœur. Qu'essaies-tu de faire? Tu veux faire quoi? Je vais le faire. Je vais couper ça et puis je vais grimper. Parle à ta sœur. Écoute, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Alors, vas-y, laisse-moi. J'ai lavé mes mains dans vos histoires. Ici, reviens, tu vas où? Ndoka est toujours là-bas. Mon fils ne saura plus tenir par lui-même. Ne te laisse pas, maman. Pourquoi ils veulent seulement tout nous prendre comme ça? Je sens la peine de Ndoka, mon fils. Je sens la peine de mon mari et de ma famille. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Maman, pourquoi tu parles comme ça? Ce n'est même pas encore fini. J'ai fait la part de mon combat. Mon âme ne va plus supporter cette exécution. Ça devient au-delà de mes forces. Mon enfant, tu dois continuer ces combats. Maman, ne me fais pas peur. On ne peut pas te perdre maintenant. Cette nuit, le processus d'élimination viendra pour toi. Ta force doit se révéler et se manifester. Tu dois garder ton nouveau pouvoir en secret. Tu ne dois même pas le révéler à ta famille. Sinon, ils découvriront tout. Ils vont devenir une distraction pour toi. Même ceux pour qui tu as combattu pour protéger. C'est une réelle tragédie qui te frappe. Mais seuls les âmes de lumière peuvent voir au-delà. Peut-être, tu peux m'aider à la persuader, reine mère. Tu connais la condition. Seul un membre direct de la famille
a le pouvoir de notre intégration. Bon, allez dehors. Je vais avoir un peu d'air. Aurélie, approche. Ici. Arrête de parler comme ça, je risque de tomber. Ici. Ici. Cette initiative me fait peur. Attends, ici. Je vais essayer de monter avec ça. Attends, ici. Attends. Ici. Attends. Aïe, pousse-moi. Attends. Ici. Attends. Ici, voilà. Ici, ne fais pas ça, non? Hein? Attends. Ça me cette allez, histoire. Enlève ça. Ça. Abouakaw. Mais tu vas te faire mal, non? Laisse-moi. Mais... Comme elles ne peuvent pas faire ça, laisse-moi faire. J'arriverai. Mais tu sais que les femmes ne sont pas censées. Ce n'est pas l'heure de notre terre. Ça. Je le ferai. Ici. Je vais grimper. Ici, ici. Ça me déplaît ce que tu es en train de faire. Allez, ici, descends. Hein? Laisse-moi allez, faire. Papa. Laisse-moi faire, descends pour maman. Ça y est. Ça y est. Ici. J'ai coupé. Ici. Allez, doucement. Ça tombe hein? Déjà. Vas-y, doucement. Ici. La voilà. Elle est là sur l'arbre. Hey, c'est fini pour toi aujourd'hui. Aïe. Tu vas mourir. Aïe. Oh, c'est fini. C'est fini. Aïe. Là sur l'arbre. C'est fini pour vous toi. Venez contre moi. Tu aurais pas à ta famille. C'est ta mort aujourd'hui. Oh. Aujourd'hui, mort, tu verras à ta famille. Hein? C'est fini. C'est fini. Hein? Hein? Aujourd'hui. C'est fini. Laisse-toi. Attends d'abord. Tu vas mourir. C'est ta fin. C'est ta fin. Toi, toi, toujours. T'as passé les garçons. On va aller. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Descends. Mais on va tabasser ta soeur. Et on te tabasse toi aussi. On tabasse toute ta famille. On va tabasser. C'est quoi? Tu l'as tué? Chine! Ikena! Ikena, réveille-toi! Ikena! Hey! Il a aussi refusé. Je n'avais plus de choix que de monter moi-même, de grimper. Donc tu as grimpé le palmier. Oui. Je l'ai vu grimper. Après tout, ce n'est pas intérêt de la communauté. Et puis, Ikena et tous ces gars sont venus nous battre. On devait se défendre nous-mêmes, non? Maman, ce que j'ai fait à Ikena, je l'ai battu à mort. Je les ai battus comme des petits enfants. Tu ne devais pas les suivre, non? Avec cette condition, tu veux me tuer. Pourquoi tu n'as pas pitié de moi, non? Pourquoi tu fais ça? Maman, il n'y avait pas de choix, non? Je devais me défendre moi-même. Oui, non? J'ai frappé Kena à la tête. Oui. Je voulais pas le faire, tu veux. Allez, dans la maison, vite, entrez dans la maison, entrez, allez, toi, entre. Nzabu,
Attendez, tu ne veux pas nous laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux, Tondo? Qu'est-ce que tu veux? Fais sortir ça des sorcières. C'est plus précisément ta fille là qui pense qu'elle peut se battre avec tout le monde. Fais-la sortir et qu'elle vienne se battre avec tous les garçons qui sont ici. Et on va voir ce que ça va donner. Elle vient se battre avec nous. Laisse-moi te dire, tes atrocités dans ce village, c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'elle sorte, nous allons les battre. Nous allons les tabattre correctement. Qu'elle sorte, nous allons les battre. C'est quoi? Oh, Tondo, mais ça ne sont pas ici. Tu les as chassés comme tu avais fait à mon frère Noir. Ah, maudite fille, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu connais? Tu as bien déjà initié dans le royaume noir. Qu'est-ce que tu connais? Je vais te cogner maintenant, tu es malade. Mais qu'est-ce qu'on est là? Attends, entre là-bas. Allons-y. Ne la laissez pas partir. Elles sont fouillées partout. Cherchez partout et trouvez-les. Alors qu'est-ce qui arrive à leur père? Toi, tu es là-bas me regardant. Je vais te cogner maintenant. Je me regarde. Je vais te cogner maintenant. Et toi, vous ne les avez pas vus? C'est quoi? Elles sont où? On a vu personne. Vous êtes malade. Personne n'est là. Vous ne connaissez rien. Suivez-moi. Suivez-moi. Elles ne veulent pas partir. Suivez-moi. Elles ne veulent pas fuir. Où sont-elles? Avançons. Où sont-elles? Où? Fouillez partout. Cherchez partout, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Dépêchez-vous. Deuxième. Qui a-t-il? Peut-être qu'elles sont toujours là. Non, tu n'es pas sérieux. Allons de l'autre côté. Allons, bougeons. Allez, bougeons. Allez, viens. Passé par ici, non? Vous avez cherché. On était ici, on a cherché partout. On a cherché partout. Je les ai sauvés. Mais on a cherché. Ah, si je les vois, je les briserai la tête. Vous les avez laissés fuir. Vous êtes malade. Putain de merde. Elles sont où? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a toujours à faire ici? On a cherché partout. Je vais le changer pour toi. Otondo, je m'en vais. Oh, pardonne-moi. Otondo, bonne chance. Je m'en vais également. Attends-moi, au revoir. Ici. Hey, merde. Je suis ici. Moi, je m'en vais. Vous êtes. On va voir aujourd'hui. On sera qui est plus fort. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes? Sortez. Je crois que vous étiez déjà morte. Non, maman. Nous étions sur le toit. Sur le toit? Hey! Je vous avais interdit. Je vous ai interdit de ne pas vous battre. Pourquoi vous vous battez? Hein? Vous voulez me tuer? Ici, écoute. Nous devons quitter ce village. Nous devons quitter ce village. Ce village commence à devenir trop dangereux pour nous. Le Kenai que je connais ne pourra jamais nous le pardonner. Ils ne feront rien. Qui doit partir d'ici? Moi? Écoute, je n'aimerais pas quitter ici juste à cause de vous. Tu es trop passive. Ça ne dépendait que de moi. Crois-moi. Ils allaient regretter. J'étais sûre, j'allais finir avec eux. Et moi, je ne vais aller nulle part. Je vais rester ici pour protéger maman et mes soeurs. La personne qui doit partir d'ici, c'est toi. Parce que tu es trop passive. Je ne te comprends pas. Oh, Willy,
Awele. Ma. Tu dois quitter ce village aussi tôt que possible. Tu dois partir d'ici. Tu dois partir d'ici aussi tôt que possible. Grande sœur Awele, maman a raison. Ton futur n'est pas du tout bon dans ce village. Tu es vraiment mauvaise pour eux. Même une petite fille te dit ça, mais je ne comprends pas. Grand oracle des dieux. Les dieux avaient besoin de ta présence. C'est clair que tu es venu pour un cas familier. Il a reconnu ses erreurs et il demande le pardon. Tu as insisté que je l'avais suggéré. Tu as bien fait. Bien, alors, mais je croyais que tu ne voulais pas m'aider. Lukebo. Oui, parle. Si les dieux ont choisi de tourner leur cœur sur une direction différente, qui suis-je pour leur refuser cela? S'il te plaît, juste arrête ça pour que je parte. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu seras guéri. Sois patient. Wow! Votre maison est toute belle, mon prince. Ah, tu parles comme si c'est la première fois que tu le vois. Bien, avec tout ce que vous avez, cet esprit mauvais allait vraiment prendre contrôle de toute cette maison. Mon prince, vous avez très bien fait de la mettre dehors. Mets-toi à l'aise, s'il te plaît. Merci. Que puis-je t'offrir à boire? Du jus? Comment connaissez-vous mon goût, mon prince? On dirait que ce n'est pas coïncidence. J'arrive. Uloma, le prince a dit que tu as retourné chez vous. Es-tu sûr qu'il te l'a vraiment dit? Bien, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Voici le jus. Merci, mon prince. Je t'en prie. Alors, Uloma, je vois que tu as trouvé une nouvelle amie dans la ville. Oh oui, mon prince. Uloma et moi avions étudié ensemble à l'école secondaire à Jikabo. Ça, c'est bien. Ada, es-tu née de nouveau? Oh oui, mon prince. Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien. Je te conseille de tenir fermement ça. Alors, que viens-tu faire ici? Maman, je suis prête à partir. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas rester avec la famille de mes amis qui sont à la cité. Ils sont là à la cité. Et ils m'ont appelé. Ils ont dit que tu peux aller là-bas. Ok, maman. Je vais y aller et faire de mon mieux pour m'en sortir. Mais je refuse d'être une charge pour qui que ce soit. Je veux pas. J'irai vivre avec l'amie dont je t'ai parlé. Elle m'attend à la cité. Ok.
Que Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Bon voyage. Maman, moi j'arrive. Hein? Laisse-moi aller l'accompagner jusqu'à la rue. Il ne faut pas aller te bagarrer. S'il te plaît, si tu suis, tu fuis. Je suis très faible. Je ne veux pas me stresser. Biko, Biko, je ne supporte plus de pression, s'il te plaît. Ok, maman. Tu as écouté maman, j'espère. Alors, bonsoir. Reste une bonne fille, ok? Prends soin de maman. Grand soeur, bye. Au revoir. Bon voyage, hein? Je suis là-haut. Le garde d'écho. Le monsieur d'écho est là. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent là-bas? Hein? Je suis là, le gars d'écho. Le gars d'écho. Chichudo, oganiru kone cheremo, papa gagekwe. Bon après-midi. Et toi, viens par ici, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas là pour te faire du mal, mais seulement pour investiguer ton ngongo. Oui, tu dois nous dire si tu es un homme ou une femme. Nous devons le savoir aujourd'hui. Et pour que l'on sache, tu dois te déshabiller, maintenant même. Allez, vas-y, dépêche-toi. Fais ça toi-même, oh, sinon on va le faire à ta place. Laisse-moi te dire, prie que tu ne sois pas une femme. Parce que si tu l'es, allez, tu auras ta part. Biko. Lève-toi. Viens par ici. Là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Là-bas. Toi. Toi. Moi. Moi. Lève-toi, pardon. On le fera. Lève-toi. Pardon. Oui. Pas moi. Oui. Pardon. On admet. Pardon. 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 Tu vois toi, je t'aurai. Je finirai par t'avoir. Vous suivez avec moi. Revenez. Eberibe. Venez non. Maman, je vais aller récupérer mes trucs chez Maïdjoma. Ok, mais ne traîne pas. Ok, maman. Arrivé là-bas, on va tout droit au but. Bonjour. Oh bien, je te salue. Femme, beaucoup de plaintes nous sont parvenues à propos de la terreur que sème ta fille dans ce village en battant nos jeunes hommes. Cela ne veut pas dire que nos jeunes hommes ne peuvent pas la battre jusqu'à là-bas. Oui. Elle profite de cette situation, bien qu'elle est une femme. Nous avons aussi réalisé que son pouvoir est issu d'une sorcière qui la soutient toujours. Et notre grande famille n'est pas prête pour accommoder une sorcière. Jamais. Jamais. Okay. Je ne suis pas une sorcière. C'est Ozo qui a commencé de me troubler, non? Quand j'ai passé. Alors, je devais me défendre moi-même, non? Tu la fermes.
Nkebo. Ça m'étonne que vous défendez. Femme, je n'ai jamais pris de position pour qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est la justice. La justice? Tu as dit justice? Oui, je représente la justice. Ok, bon. Si tu es vraiment le pilier de la famille Oumola, en quoi la mort de mon mari te concerne-t-il? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ma famille vous a fait? Quoi? Pourquoi vous cherchez à écraser cette famille? Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça, dites-moi? Chaque femme qui n'a pas de respect pour l'homme devrait être sanctionnée. Oh oui. Cela va sans dire. Et tout jeune homme qui pense qu'il peut réussir sans le soutien de ses parents ne fait que plaisanter. Ça, c'est clair. Pour ton information, la famille entière de Ohoma ne te reconnaît plus. Dis-lui ça. Tu ne peux plus cultiver ou récolter sur un terrain qui appartient à la famille Ohoma. Voilà. Jusqu'à ce que tu vas publiquement demander pardon et jurer que tu ne vas plus jamais te disputer avec n'importe quel membre de cette famille pour le restant de ta vie. Exactement. Comme personne ne sait pas là où se trouve ton fils, et comme tu refuses aussi de répondre à la requête de la famille, cet appartement et toute la maison appartient maintenant à Omalo, en tant que l'aîné de cette famille. Ce n'est pas clair? Très bien. Ogwezo, Izigini, quelle maison? Cette maison. Quelle parcelle? Cette parcelle même. Nduka. Nduka, où es-tu, Nduka? Viens. Reviens, Nduka, avant qu'il ne nous ravisse tout. Nduka, reviens. Maman, vous attendez voir une vieille femme comme moi devenir clocharde avec ses filles. Maman, ta santé n'est pas bien, non? Okiniko, le bas, Okiniko, le papa. Non, ta santé n'est pas bien, maman. Vous tous, préparez-vous. On doit finir avec ça. Parce que je suis prête de mourir pour défendre votre maison. Tais-toi, abomination. Ah. Maman. Maman. Maman, c'est quoi ça? Maman. Maman, qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que c'est ça? Maman. 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 Maman, qu'est-ce que t'as? Maman. 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 Maman, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que t'as? Réveille-toi. Maman. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman. 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 Maman, s'il te plaît. Qui va la suivre? Maman. Bien, cette situation a changé. Oh. Allons-nous-en. Elle arrive. Maman, attendez-moi là. Qu'en est-il? Thank you.
sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. Oh Dieu. Pourquoi tu me montres toujours ces choses? Est-ce une famille que je connais? Que dois-je faire? Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La parole. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole. Pourquoi tous ces hommes veulent-ils coucher avec moi avant de m'aider? Est-ce qu'un homme de nos jours ne peut pas aider une femme sans vouloir coucher avec elle avant? Ça voudrait dire que j'aurais à coucher avec des hommes 24 heures sur 24 tous les jours. Ma chérie, voilà pourquoi j'aime l'indépendance financière. Ça, c'est vrai. Tu dois d'abord travailler. Hein? Tu te fais de l'argent et puis il va retourner vers toi. Tu n'as pas besoin de la prière et toutes ces prières que tu fais. Ce qu'on doit faire, c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent. Oui, tu n'auras pas un certificat parce que tu es vierge. Hey. Ah oui, tu n'as que 2 mois avant qu'il ne puisse te retourner. Alors, que vas-tu faire? Les hommes peuvent être désespérés à un point. Il y a un qui m'a promis un job, une voiture et même une maison. Et comme si ça ne suffisait pas, il m'a signé un chèque de 5 millions de naira. Il m'a même demandé si je le voulais en cash. Hey, es-tu sérieuse? Attends, avant que je ne réponde, il m'a sorti une mallette remplie de dollars et m'a demandé si je préférais les devises. T'imagines? Qu'est-ce que tu fais? Je prends les 5 000 naira qu'il m'avait donné. Oh, relax, je n'ai pas encore fini. Quand j'ai vu à quel point il était désespéré, je me suis mise debout. Je l'ai insulté, je lui ai dit mes 4 vérités. Et je crois qu'en ce moment, il doit regretter de m'avoir rencontré dans sa vie. Oui, bravo. Ah. Je crois qu'il est même en train de regretter les 5 000 naira qu'il m'avait remis. T'es normal? J'ai rejeté toutes ses offres en bloc. Qu'avais-tu fait? Je suis partie sans rien. Tu as tout rejeté? Écoute-moi, tu quittes cet endroit maintenant. Je ne peux pas rester avec une folle comme toi. Tu te prends pour qui? Pour une riche ou quoi? Oh, j'ai dépensé tout mon argent. Et à ton tour, tu ne fais que tout rejeter. Écoute, il est temps que tu sortes là-bas et que tu te prennes en charge. Comme ça, tu pourras tout apprendre. Et comme ça, tu pourras bien te comporter face à l'argent qu'on te donnera. N'importe quoi. Ada, tu pars maintenant. Ada, tu dois sortir. Ada, tu quittes Ada, moi maintenant. Non, Ada, ne fais pas ça. Tu quittes, Ada, sors maintenant. Je dégage de ma maison. Dégage. Ada, vas-y, sors. Ada, non, je t'en prie. Je dis sors de ma maison maintenant. Sors. Vas-y, sors. Ada, sors maintenant. Sors de chez moi. Sors. Allô? Allô? Mais c'est pas un nouveau? Ah! Pourquoi est-ce que tu pleures? Je t'ai appelé plusieurs fois hier. Que s'est-il passé? Mamie, maman n'est plus. Hey! Elle n'est plus. Pas
parle, non, parle. Tu sais, tu perds ton crédit, je t'écoute. Maman est morte. Jeune fille, pourquoi tu es assise ici pleurant? Il n'y a rien. Je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas aveugle. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Pourquoi je sens comme si je te connais? Tu ne me connais pas. Écoute, peut-être pas physiquement, mais je te vois dans mes rêves. Toi et ta famille tout entière. Laissez-moi tranquille, pitié. Laissez-moi. Attends et écoute, ta famille tout entière est au risque d'être balayée. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Comment vous pouvez savoir ça? Ah, je ne sais pas, mais je l'ai vu clairement dans mes rêves. Tu as un grand frère et deux petites sœurs. Ils habitent avec tes parents au village. Écoute, maintenant, ta famille est sous une grande attaque de la sorcellerie. Ah! Attends! 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 Ne cours pas, attends! Attends! Arrête, arrête, arrête! Arrête, oh, arrête de pleurer, arrête de pleurer! Laissez-moi partir! Laisse-moi partir, calme-toi, je t'allais... Calme-toi, calme-toi, je t'allais retrouver. Calme-toi, ça va. Ça va. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je viens à peine de perdre ma mère. Et j'avais déjà perdu mon père. Et mon unique frère est porté disparu. Ma famille entière a des problèmes. Et ça va retomber sur mes petites sœurs qui sont restées au village. Moi, oh, je suis peinée. Oh mon je Dieu, suis fini. La manifestation je déjà suis commencé. Fini. Je suis fini. Ça a déjà commencé. Oh. Que savez-vous sur ce qui arrive à ma famille en ce moment? Je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. Tout ce que je sais, que le fait de te voir ici a rendu tout clair. Oh, écoute, regarde. Tu dois venir avec moi. Je crois que notre rencontre ici a été destinée par Dieu. Tu dois venir avec moi, s'il te plaît. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Je t'en prie. Calme-toi.
dont tu les as tous tués, n'est-ce pas? Confesse, petite sorcière, à mon sou. De quoi parlez-vous? Arrête de faire semblant. Ma chère, cette sorcière de ta petite sœur est responsable de tous les malheurs qui vous arrivent. Quoi? Monsieur, pardon, pardon. Je te supplie, au nom de Dieu, avant que les gens ne disent que je t'ai insulté, je te supplie maintenant, prends ton chemin, laisse-nous seuls. Pardon, nous sommes des orphelines, je te prie, ne nous trouble pas davantage. Ma fille, tu penses vraiment que la mort étrange et toute cette méchanceté venant de tes oncles sont ordinaires? C'est vraiment ce que tu penses? Demande à ta petite sœur ici, la sorcière, ce qu'elle a fait à tes parents. Demande-lui. Et s'il te plaît, sois très prudente, parce que tu peux être la prochaine victime. Miso, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi est-ce qu'il parle? Grande sœur, ne le suis pas. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Maintenant, demande-lui devant moi ce qu'elle faisait avec toutes ces créatures mystérieuses en pleine nuit pendant que vous toutes étiez en train de dormir. Demande-lui. À mon sou, sorcière, je t'aurais averti. Sois prudente, à mon sou. Toc. Grande sœur, ne l'écoute pas. Je ne sais pas de quoi de ce qu'il parle. Je sais que tu dois avoir faim, donc tu dois boire quelque chose. Prends-le. Ça va, bois. S'il te plaît, calme-toi. Tu dois me parler plus de ta famille. Je vais le faire. Je vais dire. Ok. Oloma, comme tu vois, nous avons une invitée, elle va rester avec nous pour quelques jours. Donc je veux que tu arranges une des chambres des visiteurs pour elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas toucher à ma nourriture. Grande sœur. Ne m'appelle pas ta sœur. Sorcière. C'est clair, non? Toutes tes œuvres mystiques sont exposées. Non, grande sœur, pourquoi? Allez, ferme ta bouche. Maintenant, tu es satisfaite. Tu as réussi à nous faire demeurer dans cette servitude. Juste pour rien. Maintenant, écoute-moi. Je vais te décevoir. Je te promets que tu n'auras plus rien chez moi. Méchante, diablesse, sorcière.
est cette personne qui maltraite cette innocente des filles? Mais dans ce monde, il y a vraiment des choses qui sont incroyables. Qui sait le nombre de personnes qu'elle a déjà ensorcelées sur ces terres? Je ne suis pas une sorcière. Hey! Donc tout le monde dans ce village sait que tu es une sorcière. Des malheurs pourraient nous arriver en restant avec cette fille. Allons plutôt avertir les autres qu'elle se trouve par ici. Ah, je l'ai dit dans mon analyse méthodologique, que quand le vent se confronte aux arbres élémentaires, il y aura la voie qui mènera à Jérusalem. Non. Je dois retourner au royaume de Leco pour récupérer ma couronne. Non. Je dois aller à Jérusalem. Oui, je dois aller à Jérusalem. Ce qui va être, va être. Pas de regret. Je dois aller à Jérusalem. Dans le nom de Jésus, Kalaba Santa Ribaralania et Sakata Lakaribaralana, Père, au nom de Jésus. Est-ce qu'il a déjà rejoint l'au-delà, la grande déesse? On parle d'une distance de milliers de kilomètres. Il arrivera à un point de rupture. Et pourquoi son âme refuse de souffrir de manière tragique et aller rejoindre le royaume des ténèbres dans l'au-delà? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour prévenir que son âme ne revienne pas sur son corps. Je ne comprends pas. Son corps est encore conservé dans les méandres de l'avant-mort. Il n'est rien d'autre qu'une carcasse. Alors, pourquoi devons-nous venir monter la garde autour de sa carcasse si la terre a déjà pris son âme? Le corps ne peut pas mourir s'il n'est pas séparé de l'esprit et de l'âme. Il est toujours en unité avec l'âme et l'esprit. Et cette séparation est possible. Et nous sommes là pour voir ce qui va se passer. Alors, ça prend trop de temps. Nous devons attendre. Oh, Malakat Sandari Barat Santa Kari Barat Santa. Oh, Père, merci de prendre contrôle. Illa Barabala. Oh, merci Jésus. Merci. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'asperge le sang de Jésus dans cette chambre. J'asperge le sang de Jésus dans cette maison. J'asperge le sang de Jésus sur toute la maison au nom de Jésus. Père, nous prions que tu interviennes et que tu combattes pour tes enfants, ô Père. Toute machination, tout plan de l'ennemi, Père, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Père, nous prions que tu prennes le contrôle absolu. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée. Ah ouais.
Awale, Awale, réveille-toi, c'est urgent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous étiez chrétien. Et je vous ai fait confiance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas faire ça. Ne faites pas mal, n'abusez pas de moi. Quoi? Awale, Awale, penses-tu que je vais te toucher? Écoute, je ne vais pas coucher avec toi, je ne vais pas te toucher. C'est urgent, viens, nous devons prier ensemble. Père, je prie que tu prennes le contrôle absolu. Père, je demande que tu couvres cette maison, Père. Calme-toi, calme-toi, ça va, calme-toi, calme-toi, ça va. Il est où? Ça va, calme-toi, il n'y a rien ici. Je te couvre avec le sang de l'agneau qui est versé sur la croix du calvaire, au nom puissant de Jésus. Ça va, ok? Prends la Bible, d'accord? Nous allons lire la parole. Ça va? Ah! Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout plat de toute machination du méchant. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je viens contre toi au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je te chasse. Quitte cet endroit au nom de Jésus. Seigneur, tu as versé ton sang sur la croix afin que nous soyons sauvés. Afin que nous soyons guéris. Père, maintenant, j'implore ce sang sur nos vies. Le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit! Le Saint-Esprit! Le Saint-Esprit! Ah, alléluia! Alléluia! Ah, merci Jésus! Ça va, d'accord, ça va. Tu sais quoi? Nous devons aller dans ton village maintenant! Maintenant! Habille-toi! Quoi? Maintenant? Tout de suite! C'est une sorcière. 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 Entrez-là. Attention-la! Attention-la! C'est une sorcière! Attache-la bien! Il faut bien l'attacher! Oh. Tape bien, bien, bien! Sorcière! Ouais, tourne comme ça! Comme ça! Sorcière! 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 Vite! Vite! Oui! C'est une sorcière!
C'est une sorcière. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Il n'est pas une sorcière. Je vous supplie, pardon. S'il vous plaît, elle n'est pas une sorcière. Laissez-la libre. Tu m'étonnes. N'est-ce pas que tu es la première victime de tous ces crimes? À plusieurs reprises, tu l'as accusé d'être une sorcière par ta propre bouche. Oh oh, pitié. On est tous humains. Ma sœur n'est pas une sorcière. Elle n'est pas une sorcière. C'est une sorcière confirmée. J'ai d'ailleurs perdu ma propre sœur à cause de sa sorcellerie. Elle doit mourir. Oui. Oui. Dieu te voit. Dieu ne me voit pas. Dieu vous voit. Arrêtez de ta femme. S'il vous plaît, non, laissez-la partir. J'ai possible. Oh, tu m'as menacé, c'est pas quand tu as dit ces choses. Ce que tu as dit sans le savoir vous a mis dans ce problème. C'est très mal. Si un ange m'a dit aujourd'hui, tu allais venir ici. Je lui ai supplié, demandant pardon. Moi, je ne l'ai pas croire. Gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous connaissons tous la pénalité pour la sorcellerie dans ce village. Oui, exact. Elle doit mourir. Mourir. Ouais. C'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Oh, c'est ça. Battez-la. Arrête. Battez-la. Tuez-la. Battez-la et tuez-la. Ouais, c'est ça. Miso, tu es là? Miso, vous êtes où? Miso! Il n'y a personne, il serait allé où? La maison est complètement vide. Il n'y a personne dedans? Et ça devrait être fermé quand il n'y a personne. J'ai bien cherché partout dans toutes les pièces, il n'y a personne dans la maison. Écoute, ça va, calme-toi, écoute, tu dois être forte. Nous allons les chercher et les trouver, d'accord? Eh ben, s'il te plaît, viens. Est-ce que tu as vu mes soeurs? Mes soeurs sont ici. Elles ont été emmenées au carré du village. Le carré du village, allons-y, je sais où ça se trouve. C'est ce que vous méritez. Arrêtez, elle doit mourir. Monsieur, quitte-la. Il faut quitter. Quitte-la. Quitte-la. Sorcière. Répète-la, s'il te plaît. Sorcière. Répète-la. Prononce la parole. Prononce-la. Dis-la. Ouais. Vas-y. Prononce. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y. Quitte-la. Celui qui est dans ce monde. Ici.
Voici la deuxième nuit, la grande déesse, mais... Hélé, un âne têtu, mais ce qui doit être fait sera fait. Mais la surveillance de la grande déesse est sûrement nécessaire pour ça. Nous devons continuer à le surveiller. Non, son âme est insignifiant par rapport à ce que nous devons faire cette nuit. Nous devons partir. Grande déesse des ténèbres. La nuit, le ténèbre doit dominer sur tout le monde. Nous devons tout faire la nuit. Et le monde entier attendra nos cris. Sale petit rat. On est mauvais. Ton corps nous aidera à réussir toutes ces cérémonies. Ton corps doit être présenté comme une offrande de vierge. Mon corps ne sera pas à vous. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous allons voir. Celui qui est contre moi ne prospérera jamais. Tout genou fléchira donc devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Ça va, allons à l'intérieur. Pasteur Ebuka, merci de me sauver la vie, merci. Écoute, Prince Ebuka me va, d'accord? D'ailleurs, je ne mérite aucune gloire. Toute la gloire va à Dieu. C'est lui qui a ordonné mes pas et permis que je sois ici, ok? Merci beaucoup. Ça va aller. Meso. Oui. Écoute, tu as la vocation de Dieu sur ta vie et je dois te dire que ton ministère vient juste de commencer. Alors je demanderai que tu viennes avec moi en ville pour aller dans notre église. Et je te présenterai à notre pasteur qui t'aidera à grandir dans la voie de Dieu afin que tu puisses accomplir l'appel de Dieu sur ta vie.
Je suis d'accord, monsieur. Tu es prête? Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ah, ouais. Écoute, ça fait longtemps que j'espère en Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié. Je lui ai demandé de me montrer la femme qu'il m'a destinée à passer le reste de ma vie avec. Et le premier jour là que je t'ai vu au bord de la route, même lorsque tu pleurais, tu étais déprimé. Mais quelque chose au-dedans de moi m'a dit que toi, que c'est toi. Voici ce que j'essaie de dire. S'il te plaît, aimerais-tu être ma femme? J'ai prié au sujet de ceci. J'ai vraiment, vraiment prié. Je t'en prie, ne dis pas non, s'il te plaît. Oui. Ouais? Oui, je le serai. Merci beaucoup. Luca? Luca? Oh. Ah, Wally. Masha. Ici, dis-moi. Luca? Salut, salut votre frère. Qu'en est-il de maman? Où se trouve maman? Nduka, ça va, calme-toi, d'accord? Tu auras les réponses à toutes tes questions, d'accord? Dieu merci, tu es revenu, c'est très bien. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Ça va aller. Allons à l'intérieur. Hein, ça va, ok, ça va. Allons-y. Ici. Ici. Qui vous a fait ça? Désolé. Ça va, tu te porteras bien, d'accord? Désolé. Doucement, ça va. Désolé. Désolé, désolé. Ma fille, viens. Mets-toi ici. Elle est adorable. Bien sûr. C'est comme ça que je suis arrivé à rencontrer cette belle famille. C'était vraiment Dieu. J'ai essayé de vous expliquer beaucoup de choses, mais vous avez refusé de me croire. Et maintenant, vos yeux sont clairs. C'était arrivé au point où, lorsque j'avais ces confrontations spirituelles avec Oloma, j'ai vu sa mère manifester dans le spirituel. Oui, ouais, mon fils, j'ai vu sa mère dans leur sanctuaire. Attends. Donc, Oloma était une sorcière? Ouais. Mais elle se comportait comme une vraie chrétienne dans ce royaume. C'est ce que je suis en train de dire. Pardonne-moi, mon fils. Ce monde est en effet un réel mystère. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Père. Mais nous remercions Dieu de nous avoir donné la victoire. Glorifions son nom. Mais il a aussi une bonne nouvelle. Ah, en tout cas, ça nous va droit au cœur, mon fils. Il a une bonne nouvelle. Bien, dans tous ces troubles, dans toutes ces épreuves, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ma future femme. Bonne nouvelle! Une très bonne nouvelle! Ah, elle est ici, est une très bonne femme et elle est une viens, bénédiction. Viens, 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 ma fille! Ah, viens! T'es merveilleuse! Père, j'ai aussi pris la responsabilité de prendre soin de sa famille. Non, mon fils. Cette responsabilité devrait revenir à toute la famille royale. Je vais maintenant
tous les adopter. Oh, votre Dieu, Majesté. Merci beaucoup. Votre Majesté, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, levez-vous. Merci beaucoup, Votre Majesté. Longue vie à vous. Mon prince, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir, mon prince. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Votre Majesté, merci beaucoup.